Pardon, il y a un fil qui pendouille. C'est pour regagner de la batterie dans mon téléphone parce que j'en ai plus beaucoup. Coucou! Comment vous allez? Alors déjà, point partenariat. Bim bam boum, on était à 88 ce matin grâce au resub automatique. Vous êtes incroyable. Et grâce à Nina Pink, à l'instant, nous sommes à 89. You are unbelievable. Comment vous allez, mes petits lapins? Stream courrier aujourd'hui, j'espère que vous avez quelques heures devant vous. J'ai l'option de ne pas tout faire aujourd'hui, je peux caser un autre stream dans la semaine parce que il y a beaucoup de colis, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Surtout qu'il y a pas mal de personnes qui ont écrit « Attention, bois beaucoup d'eau, ça va être très long ». Voilà, donc voilà, on n'est pas rendu, hein. J'entrape le train de la petite fadette, j'aime beaucoup pour l'instant, même si. J'ai pas fini, je suis pas à jour pour la petite fadette, il manque aujourd'hui encore. Quel est ce fil devant vous? C'est le câble de chargement de mon téléphone. Mais je peux l'enlever, je suis à 70%. Ça devrait tenir un petit peu. On va espérer, hein, on va espérer. Salut Albès! Comment allez-vous? Comme un lundi? Ah oui, c'est vrai que le lundi... Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas. J'ai rangé ma bibli... Non parce que, attends, j'ai tourné mon update lecture ce matin. 1h20 de rush. 1h20. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après avoir tourné 1h20 de rush, et ben on a des livres partout. Et on les regarde et puis on fait « Bah, il faut les ranger !» Et du coup, j'ai rangé toutes mes bibis. Tout refait, tout beau, tout joli. Il y a beaucoup de livres, voilà. Voilà, voilà. Oh, c'est cool. T'as vu, Albès, c'était sympa, hein. Oh, bah, c'est cool, Kalilei. Je rappelle qu'il y a une lecture commune ce mois-ci. Il y a deux livres, d'ailleurs, sur le mois. Donc, si jamais vous pouvez nous rattraper pour le premier, on est en train de lire « La petite fadette » de George Sand. Et après, on a « Claudine à l'école » de Colette. Vers le 12, je sais plus exactement. Il y a le calendrier disponible sur Discord, n'hésitez pas à venir. 1h20, ça va tous les records. Ah ouais, non mais, là, non, mais après c'est 1h20 de rush. Hein. Je sais pas si j'ai des modos, donc au cas où je mets le lien. Mais n'hésitez pas donc à venir, vous êtes les bienvenus. Vous êtes soyeux. Est-ce que la miss de la dernière fois, qui voulait que je l'ouvre aujourd'hui, parce qu'elle est là finalement, et qu'elle devait être là le 7 juin, mais en fait elle est là maintenant. Est-ce qu'elle est là? Oui, Eclipsa, c'est toi, Eclipsa, nous sommes d'accord. C'est bien toi. J'ai regardé ton update lecture d'il y a 3 semaines, ma wishlist s'est bien agrandie. Ah, mais là, pour celui qui arrive, vous n'êtes pas prêt, hein. Oh mon dieu, Samo. Je suis ok. Oh mon dieu, si Samo dit, on lui parle plus de Disney, l'heure est grave. Hein. En fait, j'avais peur de ne pas pouvoir attraper la petite fadette, mais ça se lit vite et bien, plus il est court, alors ça va. Oui, oui, alors vraiment, la petite fadette, du coup, on l'a commencé il y a 3 jours, donc le premier. Enfin, on est le 3e jour. N'ayez pas peur, s'il y a 3 jours à rattraper, c'est vraiment très très fluide comme lecture. Enfin, fluide. C'est un ancien parler, mais ça se lit très très vite. Hein. Le 7 juin, j'ai 20 ans. Oh, comme tu as vieilli. J'ai pas encore lu, moi, du coup, ma petite fadette. Mais j'ai lu mon manga du jour et 3 BD ce matin pour l'update. Bah oui, on fait les choses bien. Hein. Est-ce qu'on attaque? On commence par Eclipsa, du coup, qui n'a pas pu passer il y a 2 semaines, puisque j'étais trop épuisée, voilà. En sachant que là, aujourd'hui, alors, il y a un énorme colis que j'ai dû mettre dans un sac. Enfin, le colis est énorme, le contenant, ça va, mais ça fait un gros tote bag, donc qui compte comme un colis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 colis, 3 enveloppes, 4 enveloppes. C'est pour ça, je garantis pas qu'on fasse tout aujourd'hui. Au cas où, on divise en deux. Mais faisons de notre mieux. Hein. Ah mais j'ai pas encore vu Lenka. Putain, c'est ça que j'ai oublié. C'est ça que j'ai oublié. Lenka a fait un montage de Let's Play. Comme a fait la miss sur Eldaria, bah, elle l'a fait sur Little Nightmare 2. Et je voulais grave le voir. Et quand elle m'a tagué, j'ai pas pu regarder. Puis j'ai complètement oublié avec tous mes rangements, mes bordels. Alors... On y va? Est-ce que vous êtes prêts? J'attends. Est-ce que vous êtes prêts? Non, on n'a pas de Gigi, Samo. C'est déjà ça. Mais on a beaucoup de colis. On te ping pour que tu puisses voir. Non, mais je me rappelle où il est dans réaction Twitch. Ah non, si, il est dans réaction Twitch, le message. Hein. Et encore, Lenka, tu n'as pas vu ma machine à laver? Ni mon rangement de fringues? Que j'ai pas fini, putain. Ouais, grosse journée, grosse journée. De toute façon, je vais avoir une grosse semaine, donc on va essayer de s'en sortir. Hein. On va faire de notre mieux. Oh, cette vague de oui. Oh, j'aime les vagues de oui, c'est incroyable. Alors, allons-y, Eclipsa. Parce qu'elle avait dit la dernière fois qu'il était quand même assez long. Hein.
Est-ce que tu vas publier le montage de Little Nightmare sur ta chaîne? Je pourrais en vrai. Je l'ai pas encore vu, je sais pas combien de temps ça fait, ni rien. Je veux pas que ça soit forcément une habitude pour vous ou quoi, je veux pas m'avancer ni rien, mais ce serait une possibilité. Hop là, petite lettre. Faudra me faire penser au colis qui est dans le tote bag. Lui là. Voilà. Lui, faut faire... parce qu'il est pas au même endroit que les autres, du coup il est par terre. Faudra me faire penser. Voilà, vous êtes mes petits post-it. Réponse au jeu ou quiz plus petit cadeau. D'abord, voyons voir ça. Donc le post-it sert à rien, pas besoin de le lire. D'accord, je lis dans ma tête. Ah oui, effectivement. Si je suis pas là, est-ce qu'un modo peut me taguer? Tout va bien, tu es là. Tu es... Ouais, je suis obligée. Il me faut vraiment des chansons Barbie dans ma vie. Hein. Coucou Alice! C'est gentil. De toute façon, je te l'aurais demandé, Hélène K. Hein. Je ne me permettrai jamais de publier quelque chose que vous avez fait sans vos autorisations respectives, bien sûr. Jolie. Alice, c'était le destin! Alors, introduction. Mon Dieu, ah oui! Ah oui, il y a pas mal de. Ah oui! Ah oui! Ah, j'avais oublié! Ah oui, c'est vraiment histoire de me tuer dès le début, en fait. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ah bah, Alice, t'as pris ton temps. Moi, dès le premier, il était dedans. Hein. Alors, allons-y. Je sens que je vais avoir besoin d'un stylo. Introduction. Bonjour, Thibou. Bonjour, les modos. Et bonjour, les choupes. J'espère que tout le monde se porte à merveille. C'est mon premier courrier, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Marie, mais on me connaît mieux sous le pseudo d'Eclipsa sur Twitch et Discord. J'ai 18 ans et je vis en Belgique. Bonjour la Belgique! Vous êtes soyeux, vous avez de bonnes frites. Cela dit, les frites belges... J'en ai mangé, j'ai pas été plus convaincue que ça, j'avoue. Voilà. Mais il y avait un autre truc que j'ai mangé qui était très bon dans la bière, là. Non, bref. Je suis très contente, voire émue, que tu tiennes en main mon tout premier courrier. J'espère avoir l'occasion de t'en envoyer d'autres, mais j'espère également... Étant donné que je ne sais pas quand je pourrais t'envoyer un autre courrier, j'en ai profité pour te préparer plein de petites choses pour toi et les choupes. Oui, alors d'ailleurs, je rappelle, je comprends que vous ayez envie de grouper plein de trucs, hein. Si de préférence, vos courriers peuvent ne pas prendre une heure et demie à ouvrir, j'apprécierais. Non mais, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais ma voix vous en serait reconnaissante. Voilà, je sais pas. Avec plaisir, behind. Sommaire, numéro 1, pour apprendre à mieux me connaître, un petit quiz sur moi. Numéro 2, on continue dans l'amusement avec un jeu sur la série Once Upon a Time. Numéro 3, commençons le prochain bloc avec un teaser de plein d'idées d'histoire. Numéro 4, ensuite je vous donnerai mes avis sur quelques coups de cœur. Numéro 5, on finit ce courrier avec des dédicaces, plein d'amour. Ça va pas te faire en une heure, enfin j'espère. On est à 16h40, retenons l'heure. Parce que je ne savais pas où le mettre, voici mon top 3 des crushs fictifs. En numéro 1, je vais mal le prononcer, Jiyeok Yu. Dans Marry My Husband, un homme parfait, trop beau, attentionné et dévoué au plus haut point. Foncez lire le webtoon, des mangas sortent petit à petit. Ténébreux. Non, il a l'air timide en vrai, il est chou. Chat noir. Si t'as 18 ans... Oh si, quoique, il est au lycée, Coco. Hein. Chat noir de Miraculous. Sa personnalité et son histoire me touchent tellement. En plus de ça, il est très beau. Milili. Numéro 3. Xiao, je sais pas comment on prononce à nouveau, dans Genshin Impact, que je vais bientôt découvrir puisque c'est une contrepartie de juin, voilà. Il me donne envie de regarder le ciel couché dans l'herbe avec lui pendant des heures, j'ai envie d'apprendre tellement de choses sur lui. C'est très mignon. C'est très mignon. Très soyeux. Quiz sur Eclipsa. Est-ce qu'on va connaître Eclipsa? C'est mignon quand vous faites des quiz pour vous découvrir. Où est-ce que je vais mettre ça? J'ai pas de place sur ce bureau. Il est immense et j'ai pas de place. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Je suis sortie de la team silencieuse et suis devenue beaucoup plus active il y a peu de temps. Donc vous ne me connaissez sûrement pas. Afin de rectifier ça, je vous propose un petit quiz style QCM sur ma personne. Donc sur elle, hein, pas sur moi. Non mais je veux. Les questions sont particulières, mais je préférais vous poser des questions marrantes plutôt que quelle est la couleur préférée d'Eclipsa. D'ailleurs, c'est quoi ta couleur préférée, Eclipsa? On veut tous le savoir maintenant. Les réponses se trouvent dans la petite enveloppe qui est là. J'ai failli mettre Barbie avec un magnifique masking tape derrière. Vraiment. Thibou, m'oblige pas à te reparler du film une 3600e fois, ils sont au collège. Ah!
Oui, mais c'est comme dans les animés, ils font mûr pour leur âge. Alice. D'où vient le pseudo Eclipsa? Numéro 1. Du personnage Eclipsa dans la série Star Butterfly, un dérivé du mot éclipse où c'est le nom de son chat. Et les réponses sont quiz sur Eclipsa. J'ai mon petit papier, mais bien sûr, je l'ouvrirai à la fin. Bien évidemment. Quand même. 1, 2, 3. C'est bien, il y a toutes les réponses. Les trois sont plausibles, je suis bien d'accord. La question est dure. J'aime bien l'idée du dérivé du mot éclipse, il y a un côté poétique. Mais c'est vrai que la une est très précise, c'est vrai, c'est rare, c'est vrai. Alors attends. Alors attends. 3, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 1. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est 1, 1 ou 2, 1, 2, 2 et 2, ok. 2, oui. Ah, ça se bat. Ah, il y a une recrudescence de 2 d'un coup. 1, 3. Qu'est-ce qu'on fait, Eclipse? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même beaucoup de 3, hein. Il y a quand même beaucoup de 3. C'est le nom de son chat. Allez. Numéro 2. Pourquoi Eclipse a-t-elle appelé son OC Mégara? Réponse 1. Parce qu'elle adore la mythologie grecque. Réponse 2. Parce qu'elle est fan du personnage Disney. Réponse 3. Parce qu'elle aurait aimé s'appeler comme ça. Dans la mythologie grecque, elle s'appelle Mégara aussi. Je connais pas le nom de la meuf de. J'aurais dit deux, hein. Ouais, là, il y a majorité de deux, là. Sept, j'avoue. Il y a une majorité de deux. Hop là. Quelle est la couleur actuelle des cheveux d'Eclipsa? Des cheveux et pas des chevaux, attention. Réponse 1, rouge. Eclipsa est une fraise. Réponse 2, mauve. Eclipsa est une aubergine. Réponse 3, bleu. Eclipsa est une myrtille. C'est très confiant sur le rouge. Ah oui, tout le monde est sur le rouge. Mais est-ce que c'est du pif ou est-ce que c'est tous tes potes, Eclipsa? Bon, je suis le rouge, hein. Je suis le rouge. Question 4. Classer les passions d'Eclipsa de 1 à 4. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Ok. Il y a la mythologie grecque, la musique, Disney et l'écriture. Ah! Ça se trouve, c'était la une, hein. Ah, ou alors c'est Disney. Ah, le piège! Ah, le piège! Qu'est-ce qu'on met d'abord? Mythologie grecque, musique, Disney, écriture. Est-ce que vous pouvez écrire en toutes lettres, s'il vous plaît, parce que je me rappelle plus ce qui est quel chiffre. Mais oui, Eclipse, ça, on sait bien, t'inquiète. Vu la longueur du courrier, ouais, c'est vrai. Disney, écriture, musique. Mytho. Putain, mytho, j'ai cru que tu disais menteuse. Je suis en mode, attends, comment ça, j'ai pas mytho? Il y a quand même Disney qui revient beaucoup. Et écriture après, je dirais. Donc, Disney en premier. Merci Nini Dream pour ton sub! Je rajoute ton point immédiatement. On est à 90 points. 90. Incroyable. Donc elle s'appelle bien Mégara dans la mythologie grecque aussi. Ah! Après, en général, si... je pense que l'affect pour le personnage de Mégara vient quand même du Disney. Salut Charline! Donc il y avait écriture en deuxième. Entre musique et mythologie grecque. On apprend tous les jours. Ah bah. Exactement. Vous mettez musique en trois. Ah, j'aurais fait l'inverse, mais vous êtes majorité à dire musique, donc. Question 5. Comment Eclipsa personnalisait-elle les thèmes de l'atelier d'écriture? En faisant des textes inspirés de contes, en faisant des textes inspirés de mythologie grecque, en faisant des pièces de théâtre. Si avec tout ça, t'es pas fan de mythologie grecque? Elle nous a mis un piège, hein! Tout au long, hein! Waouh, deux, tout de suite. Tout de suite mythologie grecque. Ok, unanime. Question 6. Quelle blague fait Thibaut sur le pseudo d'Eclipsa? Réponse 1, elle n'en fait pas. Réponse 2, Eclipsa est une enfant de la lune. Réponse 3, Eclipsa s'éclipse. En tout cas, il y en a une qui me fait rire.
me rappelais pas que j'avais dit ça. Mais j'ai dû le dire. C'est possible en tout cas. C'est rigolo. C'est rigolo quand même, un peu. Hein? Ah, bon. Alors voyons voir les réponses. Est-ce qu'on a eu bon? En tout cas, je me fais rire moi-même, hein, c'est le début de la sagesse, il paraît. Alors, les réponses! Elle a mis une petite blague, genre réponse, haha. Eclipse, Eclipse, c'est drôle. Ben oui! D'où vient le pseudo Eclipsa? De la série Star Butterfly. J'aime beaucoup cette série et le personnage m'a fort touchée. Un mauvais point. Question 2. Pourquoi Eclipsa a-t-elle appelé son OC Megara? Parce qu'elle est fan du perso Disney. Yeah! Un point! Comme dans Fort Boyard. Question 3. Couleur des cheveux, mauve. Eclipsa est une aubergine. Mais alors attends, tous ceux qui m'ont mis fraise en mode hyper sûr de vous, c'était que de la gueule en fait. Moi j'ai cru que vous étiez ses potes, et genre vous aviez fait un meet-up il y a pas longtemps, et que du coup vous étiez absolument sûr qu'elle avait les cheveux rouges. Vous étiez tellement. Tu sais, genre c'est venu direct. C'est. Ouais, mais il y en a, ils se connaissent Purple, tu sais, il y en a sur le serveur, des fois ils se voient IRL et tout, hein. C'est. Si je m'en souviens, je pense qu'elle allait quitter un stream, t'étais en mode ah bah Eclipse, ça tu t'éclipses. Ah bah oui, tu vois, quoi, c'est la mode, j'aime juste le rouge. Son pseudo est rouge, cherchons pas plus loin. Ah, tu vois, comme quoi. Hein. Numéro 4, classer les passions d'Eclipsa de 1 à 4. Ah bah on a tout faux, alors. Numéro 1, c'est la musique. On va le mettre là. Numéro 2, Disney. Bon, du coup, il est décalé un peu, mais ça va. Numéro 3, la mythologie grecque. Et numéro 4, l'écriture. On n'est pas brillant là, hein. C'est pas ouf, hein. Question 5. Comment Eclipsa personnalisait-elle les thèmes en faisant des textes inspirés de la mythologie grecque? Bravo! Et question 6. Quelle blague fait-il sur le pseudo d'Eclipsa? Eclipsa s'éclipse. Voilà. Et franchement, 3 sur 5. 3 sur 6. 3 sur 6. Je vais mettre bien. Voilà. C'est la moyenne, ça vaut un bien. Ça vaut un bien. Bravo. Merci Melko, c'est très gentil. Ensuite. On a la moyenne. Oui. J'aimerais trop corriger des copies et mettre des B et des très bien. Tu sais, ça me plaît, ça. Merci Yuri-chan, comment va ma petite fleur? Je rentre de vacances et que vois-je qu'il est l'heure de fêter mon 36e mois d'abonnement. Que c'est beau, que c'est divin. Je vous souhaite un excellent stream courrier de gros poutous tout plein à vous et à toi, ma chère Thibou. Merci beaucoup! 91 points grâce à Yuri-chan. On monte, on monte. J'ai les réponses du quiz numéro 2 qui sont prêtes. Regardez, elles sont là. Voyons voir. Bah je sais, Yuri-chan. Yuri-chan a été modo un temps dans l'équipe et elle adore les fleurs. Et ça m'a marqué. Once Upon a Time. Once Upon a Time est une de mes séries préférées. J'ai vu sur ton profil Seriebox, merveilleux site que nous vous recommandons, que tu n'avais pas vu cette série. Je t'ai donc préparé un petit jeu. Alors, j'ai vu le début. J'ai vu le début. Once Upon a Time, j'ai vu jusqu'à avant la saison de la Reine des Neiges. Je vais être ta petite fleur nuit et jour. Pour ceux qui ne le savaient pas, Once Upon a Time est une série basée principalement sur les contes de fées. Tous les personnages de la forêt enchantée ont été envoyés sur Terre par la méchante reine avec une malédiction. Une ville nommée Storybrooke a été créée et tous les personnages y résident désormais, mais ils ont tous oublié qui ils étaient. J'espère que tu auras oublié. Je vais voir ton jeu. À part la méchante reine, ils pensent tous vivre à Storybrooke depuis toujours, avec une vie complètement inventée par la malédiction. Le jeu est le suivant. Je vais vous présenter des personnages de la série dans le monde de Storybrooke. Votre objectif, à toi et aux choups qui ne connaissent pas la série, trouver qui ils étaient dans la forêt enchantée. Pour vous aider, je vais vous donner son prénom, son métier et son apparence. Les choups qui connaissent la suite, vous pourrez aiguiller les autres si besoin, mais ne dites pas tout de suite les réponses, s'il vous plaît. Les réponses se trouvent dans la petite enveloppe. Ok, il n'y a que ça. Je suis censée dire qu'il était dans la forêt enchantée. Ouais, si, je me rappelle quand même. Hein. Alors, lui, je m'en rappelle. Oui, si, je me rappelle de tous. Je les connais tous. Oui, je vais zoomer, pardon, pardon. Je vous rapproche un peu. Un peu beaucoup, là, mais bon. Alors, numéro 1, Regina. Bah après, vous pouvez essayer de deviner ceux qui connaissent pas, à la limite, mais ça risque d'être un poil long. On a parlé d'un hier soir en plus. Oui. Regina. Bah après, à la limite, je vais le faire et puis vous me dites si j'ai faux. Mais répondez-vous à la limite. Oui, voilà, méchante reine. Honnêtement, je me rappelle bien. En vrai, qui connaît pas? Ouais, on est beaucoup à connaître quand même. Hein.
Donc, Regina, mère de la ville, qui est la méchante reine de Blanche-Neige. À côté, nous avons Ruby, la serveuse. Le but, c'était principalement que toi, tu joues, ça aurait été plus rapide. Ah, tu préfères que ce soit moi? Vas-y, let's go. Ruby, du coup, la serveuse, c'est le petit chaperon rouge. Marie-Margaret, qui est professeure, c'est Blanche-Neige. Et à la limite, alors je vais donner mon avis sur les persos, comme ça, ça rajoute un petit truc, tu vois, parce que là, comme je les connais. Donc, Regina, honnêtement, je la trouve hyper badass. Je la préfère, enfin, son perso, il évolue beaucoup, donc je vais absolument rien spoil, mais je la trouve très touchante aussi à des moments, même si c'est aussi une sacrée saloperie à certains d'autres. Ruby, j'en ai un peu rien à faire, mais elle est stylée et elle est sexe, mais c'est pas ma préf, voilà, mais elle est cool, elle est badass, elle fait très rock'n'roll, tu vois. Marie-Margaret, du coup, qui est professeure, c'est Blanche-Neige, et je l'aimais beaucoup, beaucoup au début, et en fait, après, vraiment, à partir du moment où sa situation s'arrange, sans spoiler, elle me gonfle, voilà. Elle est très basique après, tu vois. Mais au début, je la kiffe de ouf, voilà. J'aime beaucoup son caractère et je la trouve très sympa. Mr. Gold, vendeur d'antiquités, c'est Rumpelstiltskin, qui est dans mon tableau des crushs, parce que j'aime bien les hommes avec des fêlures. Alors, il est dans mon tableau des crushs, mais pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où il est cool, mais il y a des moments où il est pas cool du tout. Mais j'aime bien les moments où il est cool. Et puis j'aime bien les mecs, des fois, qui sont pas très beaux, mais qui sont avec un charme, voilà. Ici, bibliothécaire, c'est Belle. Logique en même temps. Je spoil pas avec qui elle sort, mais j'aime beaucoup son couple avec ce personnage. Au début, jusqu'à ce qu'il devienne toxique, parce qu'après j'aime plus. Mais je l'aime beaucoup aussi, Belle, elle est très cool. On a Kylian, qui est très sexy, voilà, qui incarne Crochet. Crochet, on veut Crochet. Crochet, on veut Crochet. Tout le monde crush sur lui, du coup, bah moi je me singularise et j'en ai un peu à foutre. Je pourrais passer une soirée avec, voire une nuit avec, mais ça me... Tu vois? Trop commun, voilà. Mais il est sexy, voilà, je comprends, il titi, il est sympa. Salut Utopia! Donc voilà, lui en général tout le monde le connaît, il est beau gosse, il est sexy, voilà. David machin, David, donc il joue le shérif, c'est le prince de Blanche-Neige, voilà, et j'en ai rien à foutre. Voilà. Il est gentil, il est brave, mais balèque. Archi-psychiatre, c'est Jiminy Cricket. Et il est cool. J'ai failli spoiler. Il est cool, on va juste dire ça. Et la dernière, c'est la religieuse. C'est la fée de la Belle au Bois Dormant, je crois. Ou la fée de Cendrillon. C'est la fée de quelque chose. Mais je sais plus de... Et c'est une connasse un petit peu. De Pinocchio. Ah, Pinocchio, j'avais pas le bon. Je savais que c'était une fée, j'avais oublié d'où. Ouais, elle me fait chier, elle. Ça se voit à sa tête, elle est très pince-cul. Hein. Donc, voilà. J'ai eu tout bon. À part la fée, du coup. Je vous jure, j'ai jamais vu. Je suis à ça de lancer la saison 1 en pliant le linge. Franchement, en vrai, la série, j'aimais bien au début. Alors, j'aime pas le personnage principal. Parce qu'en gros, tous ces personnages, je les kiffe. Et en gros, t'as une meuf, Emma Swan, qui est dans la ville. Et vraiment, elle fait tout le temps la gueule, elle me fatigue. D'ailleurs, elle est aussi dans Dr. House, et là aussi, elle me fatigue. Vraiment, cette meuf, tu sais, le pire que le jeu de sourcils d'Emma Watson, je peux pas. Du coup, bah, y a les réponses du quiz, mais... C'est... Du coup, on l'a vu, hein. Je sais pas... Ah oui, la fée bleue, ma reine la bonne fée, elle aussi n'était pas facile. Ouais, mais je l'ai eu. C'est un cas particulier, il avait pas de métier. Ouais, bah, Kylian, techniquement, il est pirate, quoi. Ouais, ouais, mais le gamin, j'aime mieux. Ouais, bah bien. Mais faudrait... En vrai, je pense que je reprendrais. Parce qu'en soi, j'avais quand même bien regardé. En fait, je pense que me regarder une saison de temps en temps, c'est le meilleur moyen pour avancer. Si je m'étais pirate, ça donnait un trop gros indice. C'est pas faux. C'est pas faux. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Teaser histoire. Comme tu l'as vu dans mon quiz, oh, à propos d'histoire, je me suis remise à faire des frises d'histoire, voilà, avec Carpe. On s'amuse beaucoup. Et elles sont très stylées, nos frises, hein, je veux pas dire, mais... Je sais pas si c'est dispo sur une plateforme, Krakukups, bonne question. Ouais, exactement, Christéliane, exactement. Tiens, d'ailleurs, Samo, t'as jamais regardé Vampire Diaries, toi? Ah oui, mais de toute façon, t'es pas gay. Non, parce que j'ai pas mal de mecs gays sur cette chaîne qui sont fans de Vampire Diaries. Pour Damon, entre autres, hein. Mais c'est vrai que quand t'es pas gay...
Bon, t'as des filles bien, mais c'est pas l'intérêt premier de la série, quoi. Mais bref, oui, non, mais c'est votre oublie, ce truc, il est reparti de toute façon. Oui, bah oui. Ah, la série dispo sur Disney+. Ah, bah très bien. Pour Once Upon a Time? Donc, teaser histoire. Il y a de jolies filles. Oui, mais bon, par rapport à Damon. Non, faut pas être gay pour regarder la série. C'est juste que l'intérêt principal de la série, c'est Damon. Donc bon, même Kim, hein, il y a un moment, on avait regardé, je m'étais mise en tête de re-regarder, j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes, et Kim, il est arrivé pendant le dernier épisode, il est en mode, il est bien ce mec-là, dis donc, c'est qui et alors que Kim n'est pas bi, hein, donc, c'est Damon l'intérêt de la série, on va pas se mentir, hein, mais il était un peu en mode, il est stylé, hein, puis, en fait, il y a un moment, c'est ce qui trompe pas. Et à un moment, Damon, il bute quelqu'un. Voilà, oh, ça arrive, il était mal luné, hein. Et Kim, il regarde, il se marre. Quand Kim rigole, mais tu sais, un rire genre. Tu sais, le rire de connivence entre hommes. Tu vois, genre. T'es mon pote, toi. Attends, je t'aime bien. Tu vois, ça? Un épisode! Alors, oui, c'est vrai, Sagittaire, c'est vrai. Ah non, je connais pas Maloxinia. Wiki Trivia? Est-ce que quelqu'un peut noter, un des modos peut noter la ref? Que j'aille vérifier, voir ce que c'est après. Ah ouais, mais elle est magnifique, Wolfie, hein, clairement. C'est ça, Sarlemin. Oui, Samo, on parlait de Vampire Diaries. Il écoute plus, Samo. De toute façon, on parle pas de Disney, il écoute plus. Hein. Bref, pardon, je continue, Eclipse. Comme tu l'as vu dans mon quiz, l'une de mes passions est l'écriture. Écrire m'a aidé dans ma dyslexie, écrire et ma dyslexie écrite et m'a permis de me plonger dans le monde autre que le mien. J'ai commencé à faire du roleplay à l'âge de 13 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. J'ai de plus en plus eu d'idées d'histoire et j'ai finalement décidé de commencer à en écrire. Maintenant, mon rêve, c'est de publier un livre et devenir écrivaine par la suite. Pour le moment, je n'ai que des idées de futures histoires, j'en ai beaucoup. J'ai donc décidé de vous partager les plus développées. Je sais que tu n'aimes pas trop la romance, Thibou, mais moi, c'est ce que je préfère. Alors, il y a malheureusement que ça. T'inquiète, ça va le faire. En synopsis, je vais survivre. D'ailleurs, j'aime bien la romance. Je vous spoile pas l'update lecture. Mais l'update lecture c'était intéressant parce que il y a différents mangas, sans blague, j'en lis un par jour, oui. Il y avait certains shoujo où vraiment c'était vraiment limite red flag pour moi en mode ça me tente, tu vois, je peux pas. Et d'autres shoujo j'ai adoré. Donc je pense que j'aime bien la romance, mais j'aime pas certains stéréotypes qu'on retrouve à balle dans certaines romances. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'aime pas quand il y a que la romance et que les persos du coup ils ont même pas de caractère, tu vois. Donc, ouais, je connais Nana, j'avais vu l'animé pas mal quand j'étais plus jeune. Premier synopsis, du coup. Layla. Savez-vous que Lilith a inspiré des mouvements féministes à l'époque contemporaine? Dans un monde où de nombreuses femmes ne reçoivent pas d'affection, Lilith les appelle des Layla et a décidé de les aider en créant des démons pour les réconforter et améliorer leur situation. Ces démons sont chargés de retrouver les Layla et répondre à leurs besoins aussi longtemps qu'elles le désirent. Le démon peut rester 2 minutes, comme toute une vie. Dans cette histoire, nous suivons Anna, une femme tombée dans une famille compliquée et ses traumatismes ne l'ont pas aidée à se faire des amis. Elle se retrouve donc très souvent seule. Un démon viendra lui rendre visite pour la consoler, l'aider à prendre du caractère et se libérer de ses peurs. Mais t'imagines, genre, tu tombes amoureuse de ton démon et après, du coup, t'es heureuse, du coup, il disparaît, du coup, t'es à nouveau malheureuse, du coup, t'as un nouveau démon, du coup, t'es à nouveau amoureuse du nouveau démon, du coup, tu es heureuse et du coup, tu te refais plaquer parce que t'es heureuse, du coup, le démon disparaît. Complexe, mais très intéressant. Ton sang dans mon cœur. Camélia partage une passion avec sa grand-mère, l'univers fantastique. À la mort de cette dernière, sa petite fille récupère son manoir, mais elle va bien vite se rendre compte que cette demeure cache quelque chose. Ouh, j'aime bien ça. En effet, elle va faire la rencontre d'un vampire qui y habite, Val. Il va lui faire découvrir le monde des vampires et lui apprendre comment ils vivent. Camélia explorera de nouveaux horizons et se rendra compte que le quotidien avec un vampire n'est pas toujours facile. Un vampire. Une pleine lune et une lune de sang. Vanessa est la princesse aînée des vampires. Son royaume est en conflit avec celui des loups-garous depuis des siècles. Vanessa étant l'héritière du trône, le roi décide d'envoyer sa petite sœur dans un mariage arrangé avec le roi des loups-garous pour stopper le conflit. Vanessa s'y oppose fermement et menace son père pour qu'il choisisse sa petite sœur comme héritière et elle pour le mariage arrangé. Le vampire déménage donc de l'autre côté de la frontière du royaume et va devoir s'adapter à la vie de reine, mais également de la femme d'un loup-garou. Eh ben, bon courage, Vanessa! Déjà qu'un déménagement s'est tendu, tu vois, moi, ça me tend, dans la vraie vie, genre, juste, tu changes de ville, tu vois, ou juste de quartier. Alors là, c'est... Ah oui, Lenka, mais je comprends.
T'en es où dans Beastars? Bonne question, Krakou Cups. Tu peux le voir sur mon livre addict, je crois, où j'en suis. Hein. Attends. Je suis pas trop mal, normalement, dans Beastars. Il me semble. Où j'en suis dans Beastars? J'ai lu le 8. J'ai lu le 8. J'ai lu le 8. Donc j'ai lu 8 tomes sur 22. Oui, bon. Si j'écoutais, c'est justement pour Vampire Diaries que je suis allée sur Google pour vérifier s'il y a Once Upon a Time sur Disney+, parce que je comptais stopper un peu Vampire Diaries vu que hier j'ai terminé la saison 3. Et du coup, vu que la fin est dingue, je vais mettre un laps de temps avant de continuer et je voulais demander si Once Upon a Time pour faire l'affaire pendant le stand-by. Du coup, je trouve la coïncidence incroyable que vous en parlez. Ah bah putain, c'est un mot, mais de ouf! Mais de ouf! Eh bah oui, du coup, Once Upon a Time, je pense que tu vas adorer, gars. Oh mon dieu, il va être fou. Dans quoi on l'a lancé là? Non, non, mais en fait, non, Samo, franchement, Once Upon a Time. Non, 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 non. Non, mais non. Pff. Oh, oh non. Non, je suis pas sûre que. Hein? Non. C'est pas. Non. Non, tu vas adorer. Je pense vraiment que tu vas adorer, c'est sûr. Alors, je crois que c'est tout public, mais il y a des trigger warnings quand même, Kalilei. Avis, coup de... Il y a combien de pages encore? Elle me tue et éclipse ça dès le début. Hein. Dès le début, elle met en larme. Si, Sarloma, si, c'est lui. Hop. C'est passionnant, Eclipse. J'adore. Franchement, ton courrier est génial, Eclipse. Hein. Je crève de soif, mais il est hyper intéressant. Les trois dernières pages sont pas obligatoires. Alors, avis coup de cœur. Vient le temps de mes avis sur plusieurs œuvres coup de cœur que j'ai eues récemment. Si jamais des choupes veulent venir papoter avec moi là-dessus, ils sont les bienvenus en privé sur Discord. Oh, merci, Patou. Alors, Asmin Hotel. Pour limiter la surpopulation en enfer, les anges du paradis organisent une extermination une fois par an. Afin de sauver son peuple, Charlie, la princesse des enfers, ouvre un hôtel visant à réhabiliter les âmes et leur donner accès au paradis, avec l'aide de sa petite amie Vaggy, la pornstar Angel Dust, le démon Alastor, le barman Husk et la petite Niffy. Bien d'autres aventures attendent cette équipe dans leur quête de rédemption. Je sais pas si... Oh, quoique les synopsis sont pas très longs. J'allais dire, je sais pas si je lis les synopsis, ça m'épargnera toujours un petit peu de salive, mais bon. Son avis. Je vais faire plaisir à beaucoup de gens en donnant mon avis sur cette série. Je ne vais pas m'en cacher, Asbin Hotel est entrée dans le top 3 de mes séries animées préférées. La parodie du Paradis Enfer est très intéressante, d'autant plus que la créatrice a réellement créé un univers entier pour la série. Beaucoup de personnages sont approfondis en seulement 8 épisodes, pourtant nous n'avons pas l'impression d'avoir trop d'informations. Les personnages sont touchants, les enjeux prenants, et les musiques tout bonnement entraînantes. Certes, j'ai trouvé le début de la série assez lent, mais ça vaut vraiment la peine de s'accrocher et continuer. Je recommande cette série à toutes les personnes ayant l'âge de la regarder. Numéro 2, Nimona. Ah ça j'ai vu. Wasmin Hotel, j'ai vu le début, j'ai vu l'épisode 1. J'ai pas continué. Oh, Albès. Dans une ville séparée du monde extérieur par une frontière, le premier homme du peuple devient chevalier. Cependant, un mauvais coup lui est joué et il est accusé d'un crime impardonnable. Pour prouver son innocence, il fait équipe avec une adolescente énergique, mais surtout métamorphe, qui cache sa vraie nature. Un crime à résoudre, une frontière à détruire et une jeune fille à rencontrer. Nimona, du coup. Le film sur Netflix. Nous passons maintenant ensuite à mon dessin animé préféré. Nimona est un film totalement adapté à la société de maintenant. Une société où nous avons encore trop peur des différences et sommes trop habitués à la routine. Accepter ce qui est différent de nous est très compliqué, tout comme dans le film Nimona. Encore une fois, l'univers est riche, les personnages attachants, surtout Nimona dans lequel je me suis fortement retrouvée, et l'histoire pleine de suspense. Même s'il est disponible que sur Netflix, je vous le recommande vivement, c'est un film que tout le monde devrait voir au moins une fois, ou cinq, comme moi. Et le dernier... Ouais, je me dévoue, Rimoucha, je me dévoue. Peut-être qu'il y a quelques colis où il y aura moins de lecture. J'espère. G1 meurt d'une façon... Par contre, t'as pas mis le titre pour celui-là. Parce que les autres, t'as pas mis les titres, mais je connaissais. Enfin, c'est marqué, mais lui, c'est pas écrit. Enfin, c'est écrit en coréen. Je sais pas lire le coréen, j'avoue. Je plaide coupable. G1 meurt d'une façon terriblement injuste sous les coups de son mari qui la trompait par sa meilleure amie. Avec sa meilleure amie. Ah oui, un bon connard. Merci, Lady House... Lady House Beauf. J'ai lu Osbonne et Armo. Merci Lady Armo pour ton sub. Un point en plus. 92. Hop, merci beaucoup. G1 meurt donc d'une façon terriblement injuste sous les coups de son mari qui l'a trompée avec sa meilleure amie. Mais un miracle a lieu et elle se réveille 10 ans dans le passé alors qu'elle n'est pas encore mariée. C'est pas un isokai, ça s'appelle ça? Marry My Husband pour le titre.
Oui, Maloxenia. Isekai. Quand tu reviens dans le temps, en gros, ils meurent et ils reviennent dans le passé. Je commence à bien aimer ce truc-là, mais en animé, par contre. Sa vengeance se met en place. Elle va faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse sa meilleure amie. Pas sûr qu'il soit satisfait du voyage. Foncez, foncez, foncez. Ce webtoon m'a fait passer par toutes les émotions. La joie, la frustration, la colère et beaucoup de tristesse. Je sais qu'une série est sortie sur Prime, mais je vous recommande plus que tout de lire le webtoon à la place. L'histoire m'a surprise de tous les côtés et l'évolution du personnage principal est magnifique, tout comme l'évolution de sa relation avec les autres personnages. Trop cool! Ah, dédicace d'amour! Mon Dieu! C'est déjà la fin de ce courrier, mais avant de se quitter, je souhaiterais faire des petites déclarations d'amour pour égayer les cœurs. C'est pas petite ça. C'est pas petite ça, vraiment. Un isekai, c'est plutôt quand tu changes de monde pour passer de notre univers à un autre monde. Ah! Et comment ça s'appelle alors quand tu reviens dans le temps? Ok, Christelian. Oui, apparemment le drama est pas fou. Enfin, il a pas l'air d'être chaudement recommandé par Eclipsa non plus. C'est embêtant pour la mauvaise note en géo. Alors, tout d'abord, les choupes, mes copains d'étoiles, si je puis dire. À vos côtés, je m'amuse beaucoup. Je garde de merveilleux souvenirs en votre compagnie pendant les animations et d'encore plus beaux pendant les vocaux de la Team Choupe Sponsor que j'ai rejoint récemment. L'une des choses qui m'ont le plus touché, c'est le retour que vous me faisiez sur mes textes d'atelier. Les compliments que vous me faites et les conseils que vous me donnez me vont droit au cœur et m'encouragent fortement dans ma voie sur le chemin de la publication de mon livre. Je vous remercie infiniment pour ce que vous faites au quotidien et je suis sûre que certains d'entre vous ne se rendent pas compte du bien quotidien que vous faites. Ensuite, les modos, les planètes du système solaire. On a tendance à ne pas se rendre compte de l'effort que vous fournissez pour correctement faire tourner le serveur Discord, participer à une partie de la chaîne Twitch et YouTube. Vous êtes des êtres extrêmement soyeux et en plus de ça, très sympathiques. Je sais que je n'ai pas discuté avec beaucoup de modos parce que j'ai peur de déranger ou de paraître lourde, mais ça me fait extrêmement plaisir d'interagir avec vous au détour d'une conversation sur un salon Discord. Merci pour le travail que vous faites, les animations réalisées, les canevas magnifiquement préparés, les discussions animées. Je continue à admirer votre travail de jour en jour. Très mérité. Et enfin Thibou, le soleil autour duquel nous tournons tous. Beaucoup de personnes te l'ont déjà dit, mais tu es une personne rayonnante et pleine de bienveillance. Regarder tes vidéos et tes streams me mettent de bonne humeur. J'espère que tu arrives à prendre conscience de la joie que tu répands dans les cœurs chaque jour. Avoir la chance d'une telle proximité avec toi est un bonheur pour nous les choupes. On te remerciera jamais assez pour toutes ces années de rigolade, d'analyse, de let's play, de création de couples et de jeux en tout genre. Merci d'être la personne que tu es et d'avoir fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est trop adorable. Voilà, ce petit courrier touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Si jamais je n'ai pas pris trop de votre temps, j'ai laissé un texte que j'ai réalisé pour un des ateliers d'écriture que j'ai beaucoup aimé écrire. Attention, c'est les montagnes russes d'émotions. Si tu ne souhaites pas le lire en stream, tu pourras toujours faire ta lecture de ton côté et venir me faire un petit retour si l'envie t'en prend sur Discord. Mon pseudo, c'est Eclipsa. Ah, la PDP a changé. Merci pour tout, j'espère pouvoir t'envoyer d'autres courriers prochainement. Alors, je t'avoue, je vais le lire de mon côté. Parce que bon, je vais pas survivre sinon, hein. On est quand même sur 50 minutes de lecture. Non, si, non, si, attends. 30 minutes, 30 minutes. Je vais marquer ton pseudo. Alors, je veux pas t'oublier, je pense pas que je t'oublie, mais... Hop, je vais te mettre là. C'était trop cool. Franchement, ton courrier... À la limite, tu sais ce que tu peux faire, Eclipsa? Tu peux le poster dans le salon de texte. En gros, sur le serveur Discord, vous avez un salon écriture. Et vous avez un... Attends. Je remonte pour vous dire les titres exacts. Vous avez blabla écriture et en dessous, vous avez vos textes. Et du coup, mets-le dans vos textes. Même si tu l'avais déjà posté à l'époque, hein, c'est pas grave, hein. Tu peux le mettre dans vos textes, comme ça la commu pourra le voir également. Et du coup, en fait, comment ça se passe? C'est que vous postez vos textes dans vos textes et vous pouvez faire vos retours dans Blabla Écriture. Vous pouvez aussi papoter, bien sûr, hein, dans Blabla Écriture, c'est fait pour ça. Mais voilà, le salon, vos textes, est fait pour ça. Donc, Eclipsa, tu le postes là-bas. À la limite, mets une petite légende au-dessus. Voici le texte qui était dans le stream courrier. Comme ça, tout le monde te retrouvera très facilement. Et c'est good. Ah bah décidément le monde est petit behind. Et franchement c'est ta première lettre. Il y avait énormément de choses, mais j'ai trouvé que c'était très agréable à lire. Alors attends, faut pas que je me gourre, ça faut que je garde à côté.
J'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses à lire très intéressantes. Les quiz étaient super fun et hyper ludiques. Et j'ai beaucoup aimé les présentations que tu as faites, que ce soit de toi, tes passions, tes centres d'intérêt, que ce soit les films ou les... Bah, pas les livres, mais les webtoons. Si, webtoons, c'est un livre. Plus tes teasings d'écriture à toi. Enfin, franchement, c'était trop bien, Eclipsa. Tu n'avais aucune raison d'avoir peur d'écrire. Ah oui, et du coup, il y avait un petit truc, plus petit cadeau. Oh, c'est un petit marque-page. Attends, j'ai oublié d'enlever la notif. Faut pas que j'oublie ma lecture commune, moi, hein, aujourd'hui. Hein. J'ai pas lu mes chapitres de Petite Fadette. Regardez comment c'est cute. Adorable. Trop mignon. Merci beaucoup, Eclipsa. Je suis ravie d'avoir pu davantage te connaître avec ton courrier. Hop là. On en a fait un. Le courrier d'Eclipse, ça s'éclipse. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Un colis? Which one? On avance à d'autres rythmes. C'est ça. Hein. Ah ok, je note Gabi. Mien? Tu veux dire le tien, behind? C'est lequel? Ça va pas m'aider, mais... Il y en a un très très gros, mais j'ai peur qu'il soit très très long. En fait, j'ai peur qu'ils soient un petit peu tous très très longs. Je suis un petit peu dans l'appréhension. Bon, on va faire la plouf, ok? Plouf, plouf, ce sera... Attends, faut pas que j'oublie celui du bas. Plouf, plouf, ce sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3. C'est celui du bas. Et il est énorme. Ah là 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 là. Attends, je sais pas si c'est un choupe artiste. Tout est magnifique. Regarde. Ah, je vois qu'elle sait behind alors. Ah, je sais pas si c'est toi. Attends. J'ai une carte de visite, mais je sais pas si c'est une ancienne que j'avais. Attends, mais je sais pas si c'est un chou... Ah, mais est-ce que ça passerait pas en vidéo, en fait? Merci, Lizou, pour ton sub tier 2. C'est incroyable. Merci beaucoup, beaucoup. On gagne 2 points grâce à toi. Parce qu'un sub tier 2, ça rapporte 2 points. Merci beaucoup. T'as totalement raté mon message. Ah ? Bah, en même temps, Alice, toi-même, tu sais que y a beaucoup de gens qui écrivent. Ah, attends, j'ai fini Light Lark, cette fin. Twilight. J'ai l'impression que ça ferait un bon, une bonne vidéo, hein. Parce que ça m'a l'air bien... Attends, j'aimerais bien... Alors attends, le problème c'est que si j'ouvre... C'est quoi, attends, il y a son Instagram, je vais aller voir son Instagram. Ça me donnera une idée. Après, il a peut-être pas mis ses créations... Il ou elle n'a peut-être pas mis ses créations dessus, mais normalement l'Instagram est fait pour ça. Ça fait longtemps, puisque j'ai pas fait un shoot party sur la... Sur la chaîne. J'ai l'impression que c'est des créations en bois. C'est très stylé, hein. Écoute, je pense qu'on va partir sur... sur vidéo. Qu'en dites-vous? Ça fait longtemps, en plus. Alice. Eh, ça va partir en vidéo. Mais SNCF, arrête de me spammer avec tes pubs, là. Je rêve. SNCF veut que je parte en vacances. Parce que là, ça... En fait, il y a marqué fabrication... C'est ça qui m'a fait douter. Il y a marqué fabrication artisanale. Donc, je me dis... C'est pas déconnant. Comme à l'ancienne, exactement. Oui, Maloxinia, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On va ranger ça tranquillou. Ah mais par contre, bah du coup il sortira dans 2 semaines. Il sortira dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine il y a le book haul.
Ouais, c'est ça, Gabi. Ça a l'air très joli. Ouais, ça. Bah, de ce que je. Enfin, je vois rien. Mais en tout cas, il y a un soin apporté à l'emballage et tout. Qui laisse à penser que. Il y a du travail, tu vois. Donc, je me dis si je peux mettre en avant. Parce que là, ça a l'air en plus d'être assez long et détaillé et tout. Donc, je pense que c'est sa carte de visite, hein. Après, je vais peut-être pas la partager sur YouTube, par contre, parce qu'elle a le numéro de téléphone dessus. Donc, je la garderai pour moi, mais je partagerai le réseau. Mais non, je savais pas, Maloxinia! Pourquoi je ne sais jamais rien? Parce que je suis rien, c'est vrai. Ah, le sac Petit Prince, c'est le mien. Tu mets combien, du coup, Alice, à la Éclair tome 2? Bon bah du coup, alors j'ai refait, plouf plouf. Bah non, on va prendre Behind, on va prendre Behind. Behind m'a décrit lequel c'était, et Behind est là, donc... Ah, attends, je vais tout faire tomber, là ça va pas du tout. Oh putain, il est lourd, Behind, je sais... Tu m'envoies une encyclopédie français-chinois? C'était la blague de ma mère, c'est à chaque anniversaire. Alors... Tu as deviné, dommage. Je pense que c'est un livre. Je sais pas pourquoi, hein. Je n'oublie rien. 11, 10. Je me dis que pour Grimm, je mets la moyenne et un point en plus parce que j'ai vite fait été dedans sur la fin. C'est généreux, hein. C'est lourd. Ça peut être utile français-chinois. Bah, en fait, là, c'est français-chinois, là, c'est chinois-français. Voilà. Les trouilles à lire avant d'ouvrir les paquets. Et le papier. Oui, non, mais le papier est magnifique. Je le remonte un peu plus près, regardez. Il est trop beau. Petit renard, petit lapin, petit sapin. Les trouilles. Oh, une lettre aérée! Qui va pas me prendre 4 heures à lire. Waouh! Hello Thibaut et les choupes, ici Behind. On va arrêter de dire mon pseudo en entier. Ah, ça finit par être trop long pour tout le monde. Au départ, je voulais simplement t'envoyer un petit colis livresque, mais finalement, je me suis dit que ce serait l'occasion de t'écrire une petite lettre. Mais tu as bien fait. Putain, c'est vrai, ça, moi, je les ai pas fait encore. Bonne... Quelle mémoire! Ces derniers temps, la chaîne a connu pas mal de bouleversements. Du coup, il me semblait important pour moi de te dire que je regarde tes vidéos depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Et elles m'ont aidé à beaucoup de périodes de ma vie. Quand je stressais par rapport à mes anciennes études de bio-ingénieur, quand je stresse aujourd'hui par rapport à mes nouvelles études de psychologie, quand j'ai des soucis dans ma famille, quand je me sens triste. Je ne doute qu'à force d'entendre les choupes te le dire, tu dois le savoir, mais tu as un impact de fou sur les gens qui te suivent. Je crois qu'on est beaucoup à avoir besoin ou juste envie de regarder tes vidéos pour nous remonter le moral, et c'est pareil avec les streams. Avant, j'étais jamais active sur Twitch, mais un jour je me suis rendu compte du bien que ça faisait de pouvoir interagir en direct avec toi et les choupes. Honnêtement, je sais pas ce que je ferais pour mon stress et mes doutes si j'avais pas cette communauté. Bref. J'ai peur de finir par tourner en rond, donc entrons dans le vif du sujet. Je t'ai envoyé deux livres aujourd'hui. Waouh, quelle surprise, n'est-il pas? Cette fois, j'ai voulu faire un peu comme je vois la plupart des choupes faire en général, c'est-à-dire te parler de mes choix et puis te donner des indices. Déjà, je réponds à ta première partie. C'est très gentil. Merci pour tes mots. Et c'est vrai que il y a des changements. J'ai besoin parfois de faire des changements pour essayer d'adapter. Bah, ce que je fais, à comment je me sens, et essayer de gérer. Et je vous remercie d'être là et de me suivre dans mes essais, dans ma vie, pour essayer d'être bien et pour continuer à faire des choses avec vous et tout. Merci. Indice commun aux deux livres, ils ont deux gros points communs. Du coup, je peux lire les indices avant, je pense, hein, mais je préfère demander quand même. Oui. Livre numéro 1, qui est donc ici. C'est le but. Oui, non, mais on sait jamais, Behind. Je préfère poser. Mieux vaut poser une question et avoir l'air bête 5 minutes que ne pas la poser et avoir l'air bête toute sa vie. Bon, là, j'aurais pas eu l'air bête toute ma vie, mais. J'ai retenu cette phrase. Livre numéro 1, donc. Personnellement, c'est mon autrice préférée ever, donc ça m'a semblé évident de te l'envoyer. Pour moi, ce livre est une ode à la beauté de la nature, à la différence et à l'acceptation. Il m'a montré à quel point c'est primordial de s'intéresser vraiment aux autres et non uniquement à la première couche apparente. La romance est magnifique et le found family est merveilleusement touchant. Tous les personnages sont approfondis à leur manière. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi.
Ok. Indice. Tu as déjà lu un livre de cette saga et tu l'as adoré, mais vu que les tomes se lisent indépendamment les uns des autres, j'ai choisi mon deuxième préféré. Le premier, c'est celui que t'as lu. C'est La sirène aux écailles d'or, la saga MXM Bookmark avec la réécriture de contes de fées. Je suis sûre c'est ça. Je suis sûre c'est ça. Po, po, la, po, 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 po. Putain, si c'est ça. I am proud. Livre numéro 2. Une de mes sagas préférées de tous les temps. C'est un vrai câlin. Une main sûre, rassurante sur l'épaule, un sourire rassurant. Les personnages sont parfaitement bien décrits et tous bien différents les uns des autres. À certains moments énervants, à d'autres touchants, mais toujours profondément humains. Je les ai aimés, j'ai aimé suivre leur histoire, leurs galères et leurs fous rires. Et je sais que je les oublierai jamais. Un autre, Found Family d'ailleurs, je m'en rends compte maintenant. Je savais pas que ça s'appelait Found Family, ce truc-là. De quand tu trouves ta famille, en fait. Voilà. Malgré les 4 tomes, je ne me suis ennuyée à aucun moment, et encore aujourd'hui, alors que je l'ai terminé il y a plus d'un an. Certains passages me reviennent parfois en tête, tellement ils m'ont marqué. Une petite brique, en somme. Indice, tu as lu le tome 1, et je sais que tu adores l'auteur. Je pense... Ça peut être 2, ou Vérania, ou L'ours, la loutre et le moustique de Teji Clown. Found Family, ça m'étonnerait que ce soit pas un Teji Clown, vu la phrase, vu l'indice 2. Et c'est les deux sagas que j'ai commencé. Donc je partirai sur ça. Voyons voir. Suis-je efficace? Ou le suis-je pas du tout? Alors, est-ce que c'est un des tomes du coup de réécriture de contes de fées? Putain, tu sais que je veux tous les lire, hein? Très beau papier cadeau, on le dira jamais assez. Il sent fort ton scotch. J'en avais un comme ça à un moment, ça me faisait limite mal au crâne. The reveal, ah c'est ça, roulement de tambour. Beaucoup de bruit. Ah pardon. Et tu le déchires. Bah j'ai pas le choix. T'as un gros scotch. C'est bien un bookmark, je crois. Oh, Isabelle laisse te plume. Le beau et la bête. On dirait quelqu'un qui sait pas ouvrir un paquet de chips. C'est vrai. Entre la belle et la bête, le plus dangereux n'est pas celui que vous croyez. Il était une fois un chasseur de monstres à la beauté redoutable nommé Silas. Sans attache et désabusé, il ne rêve que d'une chose, prendre une retraite anticipée. C'est pourquoi lorsque le seigneur Gaston lui offre plus d'argent qu'il n'en a jamais vu pour lui ramener la tête d'une effroyable bête, il accepte sans hésiter. L'affaire semble facile puisque le monstre ne quitte jamais les ruines d'un château au fond de la forêt. C'est à l'envers, non? Mais il aurait dû se méfier car les apparences sont trompeuses. Piégé dans le château par un coup du sort, Silas doit élucider plusieurs mystères et décider si c'est la tête ou le cœur de la bête qu'il veut remporter. Hop, on va tout de suite marquer « Behind ». Tout de suite, on est le 3 juin. Ça veut dire qu'il va passer dans le book haul de la semaine prochaine. De Behind, je mets en entier quand même, hein. The Appearance. C'est un E ou un A après, c'est un A. Hop. La couverture est à l'envers, mais c'est pas à l'envers. Comment ça la couverture est à l'envers? Je comprends pas. C'est l'anniversaire de mon frère. Bon anniversaire à lui, Islam. Est-ce que Armodo peut me passer le lien Livre Addict, s'il vous plaît? Et le second? Il a la tête en bas, juste. Ah, oui, oui. Ah, vous voulez le voir dans le bon sens? Voilà. Je sais pas... Il est pas très beau.
Comme quoi, la beauté, tout est une notion de relativité, hein. Petit bruit désagréable, désolé. Pas ma faute, c'est le scotch. Attention. Ah, merci Alice. Trop cool. Ajouter à ma bibliothèque. Trop cool. Hop. 17 sur 20 de moyenne, quand même. Si, c'est ça, c'est celui-là. Conte des royaumes oubliés, tome 4. Et alors du coup, où c'est l'ours, la loutre et le moustique, ou c'est Vérania? J'ai l'impression, vu la silhouette, que c'est l'ours, la loutre et le moustique. Ah, je suis contente! J'avais fort envie de les relire, de les retrouver, les petits loulous. L'ours, la loutre et le moustique, tome 2. Le 1 était vraiment mims. 3 juin 2024. Ah oui, demain on fait stream carnet de lecture le matin. De Behind the Appearance. Ça va être... j'ai pas mal de trucs à noter. Hein. 4 tomes de Vérania. Oui, il y a 4 tomes de Vérania aussi, il me semble. Et 4 tomes de L'Ours, la Loutre et le Moustique. Oui, j'ai le tome 2. Trop cool. Merci, Behind. Je suis grattée. En plus, c'est cool parce que je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un peu de bookmark en stock. D'ailleurs, j'en ai un que j'avais reçu l'année dernière, qui est parfait pour l'été, et il me regarde, hein, je l'oublie pas. Mais je trouve que de temps en temps, tu vois, genre, t'as des moments où t'as envie de ce type de lecture. Il y a des fois non, donc je force pas, mais des fois ça fait du bien. C'est typiquement... c'est comme le feel good, tu vois, genre la papeterie de Tsubaki, le truc comme ça. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup en stock de ça, va falloir que je m'achète la suite. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets par terre? Est-ce que je le mets où? Je ne sais pas où je le mets. On va le mettre là. Allez, est-ce que tu rentres? Allez, oui, ça passe, merveilleux. En vrai, on a un gros colis en moins. Il reste 3 colis, 3 lettres. Eh ben, une lettre. Oh, elles sont énormes. En fait, elles sont pas énormes en taille, mais tu sens qu'elles sont bien remplies de texte, tu vois. Oui, ira des champs, c'est ça, Maloxinia. Thibaut, du coup, tu vas mettre les deux lectures communes dans le carnet. Ouais. Ouais, je vais les mettre, Gabi. Bookmark, c'est l'édition clochette. Et aucune question n'est bête, voyons. Une petite lettrouille. Hop. Hop. Avec un joli timbre que je vais récupérer. Ouais, elle est petite si tu l'as reçue. Mais tu m'avais pas demandé déjà. Attends. C'est toi ça? C'est la seule autre petite que j'ai. Mais elle est absolument pas petite, si c'est toi, parce qu'il y a marqué « Prenez un tonneau de verveine, ça va être long. » Donc, non. Ah bah du coup, je l'ai pas reçu, Calvin. En lettres, j'ai que ça. Salut, Anne! Je récupère du coup mon petit timbre. Pichou, pichou, pichou. Pichou, 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 pichou. Très très beau le timbre, la vache. Magnifique, hein. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hop. Il est quelle heure? 17h30. Ça va. Faut que j'arrête de dire ça va jamais. Dès que je dis ça va, waouh, voilà. Tu vois? Ça va plus du tout, là. Ah, alors. Tu vois, et quand tu vois, t'as une petite lettre, tu te dis, c'est une petite lettre. Ça va être rapide. Les petites lettres, c'est les plus fourreux. Les gens, ils mettent beaucoup de papier. Oh, je suis fatiguée. De revie, hein. Ah oui, Rimoucha, c'est vrai. Et oui, il bouffe. Petite lettrouille. Attends, je zoome. Coucou Thibaut et le chat. J'espère que vous allez bien. Ça va. Je suis fatiguée. Mais ça va. Je suis fatiguée. Mais ça va. Aujourd'hui, je sors de la team silencieuse pour t'écrire cette petite lettre. Alors, la lettre est petite, le reste... En plus, allez, franchement, elle s'est donné du mal, c'est hyper beau. Hein. Je ne sais pas encore, j'ai l'impression que c'est des fiches de personnalité. C'est superbe. Je m'appelle Justine et j'ai 22 ans. J'aime la lecture et le dessin.
Mais aujourd'hui, je ne t'écris pas vraiment pour te parler de moi. Ça, je le ferai sûrement dans un autre courrier. Non, là, je voulais te présenter les persos d'amour sucré New Gen. Oh, bah tiens! Je ne sais pas si tes modos ou quelqu'un d'autre t'en ont déjà parlé, mais tant pis, je voulais vraiment le faire. Alors, New Gen, je m'étais créé un compte pour la pré-machin, là. Mais j'y ai pas joué. Je sais que les modos, j'ai des modos qui y jouent. Mais quand ils en parlent, ils mettent sous spoil, donc je vois pas. Donc, je connais pas. Je connais les tronches des gars. Parce que je vois les visuels, tu vois. Mais c'est tout. Dans cette enveloppe, tu trouveras la fiche de tous les persos importants. À toi de me dire si tu préfères... À toi de me dire les préférences, si tu veux, tu peux faire un classement. J'ai Discord, mais je n'y vais jamais. Et je n'ai pas de compte Twitch. J'ai regardé toutes tes vidéos sur ta chaîne principale et sur Tiboukine. J'essaie de faire pareil avec Tiboutou. Pouka pouka pouka, Justine. Tiboutou, il y a du travail, hein. Alors, déjà, ta petite lettre est adorable, Justine. Et je trouve le concept très intelligent. Et tu t'es donné beaucoup de mal, en plus, donc... Alors, voyons voir. Je mets de côté. On découvre petit à petit. Archibald. Alors, si c'est un crush, on tape dans les papilles, quand même. Archibald, c'est tellement un nom bourgeois. Au moins, il est de la classe de son nom, hein. Nino ! Ok. Né le 23 décembre, il est Capricorne. Oh ! Non, j'aime bien les Capricornes. 1m80. Il aime saigner... Attends, en vrai, je vais peut-être pas lire à voix haute. Je vous laisse lire dans votre tête, parce que sinon, je vais pas tenir. Hein. Il y a trop de fiches. Oh, c'est sympa. C'est la tata 2.0, quoi. Il a l'air sympa. Bon, il a l'air cul, là, comme ça, mais il a l'air cool. Il a l'air cool. Ok. On va faire un tas perso cool, un tas perso qui m'inspire pas. Coucou Tibou, c'est moi qui ai fait le colis d'avant sur les créations de mon père. PS, tu peux montrer la carte. Ok, bah je le ferai en vidéo, du coup, Malouen. Si ça te va. En vidéo YouTube. Parce que le colis avait l'air d'être bien rempli. D'accord. Pourquoi pas. Une oie. Qui est poisson. Ah, Alice. Faut te faire une pote. 49 cm. C'est petit, non, pour une oie. Je... Salut, Duchesse. J'aime les carottes. Mamie Jacotte, j'aime les carottes. J'aime les carottes. Nanana. Comment l'aurais-tu appelé? Simon. Oui, c'est pas faux, Samo. Remarque. Lenka. On a Zara. Elle est stylée. Hop. Poisson encore. Ah bah décidément. Allez, maman. Ouah, charge mentale, meuf. Bisous, Alice. C'est notre mère, non? Oh, je sais pas. C'est pas précisé. Elle a l'air cool, en tout cas. Tasha. Oh, elle a l'air chiante, on dirait une Nina. Elle a le regard péteux. Mais j'aime bien ses cheveux. Ça fait une belle coupe. Bélier. Elle aime pas qu'on lui dise quoi faire. Oui, bah comme tous les ados, hein. Ah, la sucrète a un perso, une sœur, ok. Ah, du coup, c'est notre maman, Zara. Oh, elle est cool comme mère. Et c'est notre petite sœur. C'est pour ça qu'elle a l'air chiante, je comprends. Waouh, elle est trop classe. Dis-moi qu'on peut la pécho, elle. Elle est incroyable. Ah, attends, bah du coup, attends, on va séparer un peu. En vrai, il y a Class Histoire pour le moment, j'aime pas trop. La mère, bah c'est pas que je l'aime pas trop, mais bon, entre deux. J'aime bien Loa. On peut pas... Mais elle est incroyable, pourquoi on peut pas? Elle est lion! Elle est lion! Ça s'invente pas! C'est le destin! Bon, elle aime pas le tofu, mais c'est parce qu'elle a pas goûté les marinades du Cux. Oh, mais je l'adore! Ah, mais je l'aime! Ah, mais elle est incroyable! I love her! Bah, elle va au-dessus! Elle va au-dessus du monde! Elle marche sur tout le monde!
Oula, elle, elle aime le. C'est pas le même délire là. Là, on est sur un fan de BDSM. Ok. Soit. Donc la cravache là dans l'outfit, mais ok. Brune s'appelle. Soit. Balance! Ouais. Senala dans Disney Dreamlight. J'aime pas le côté piquant, redoutable, elle laisse personne indifférent. Je... Langage tranchant, oh non, avec la sœur. J'aime pas les gens agressifs. Oula! Oula! Jason. Ah, c'est un psychopathe ça. C'est, comment il s'appelle? Leftan 2.0 là. Sauf que lui, il le fait derrière un PC, tu vois. Il est scorpion! Bah, c'était sûr! C'était sûr! J'ai dit psychopathe, c'était marqué sur sa gueule! Né le 7 novembre. Ah, 2 jours après ma mère. Il aime la compétition, bien évidemment, bien sûr. Alors, hop, non seulement le principal concurrent n'aime. D'accord. Ah, c'est le mec avec qui qu'on peut pécho là. C'est le mec qu'on peut pécho un peu en mode route cachée là. C'est mon crush. Ça m'étonne pas, Aurélie, les crushs que sont des psychopathes. Bah, je suis désolée, moi, il va là, hein. Voilà. Devon. Il est péteux. Il est riche. Ça? Putain, Alice, c'est parti. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est le genre de gars sur Tinder, faut pas matcher, tu vois. C'est pas une bonne idée. Il est gémeaux. Il aime bricoler, faire du vélo, donner des noms à ses objets au quotidien, relever des défis. Voilà, je suis sûre qu'il joue au golf, en plus. Ah, c'est un crush? Ah non, 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 moi ça m'emmerde ça. Et voilà. Roy, il est très gentil. Oui, il est gentil, mais... Comme un banquier célibataire à 35 ans. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois pas, c'est que t'es trop jeune. Moi, je vois ce je veux dire. Bref, du coup, Roy. Oui, il fait très jeune, lui, par contre. Hein. Il est beau gosse. Mais il fait jeune. Genre, il n'y a pas moyen d'avoir un mec de 30 ans qui a pas un balai dans le cucu, qui se déplace en vélo en recyclant son truc, là. Il n'y a pas... Il a quel âge, lui? Il est Verseau. Je connais pas de Verseau. Il aime l'océan, nager. Mais oui, c'est ça, il fait surfeur. Il adore se mettre torse nu. Bah oui. Tout pour lui. Grand, beau, sportif et super sympa. Passionné de natation, ouais. Il aime les séries TV. Malgré son succès auprès des femmes, aucune ne semble avoir réellement attiré son attention. Bah, il va être intéressant le temps de stimuler l'élastique, quoi. Tu peux pas l'avoir, t'es excité parce qu'il te plaît, mais une fois que tu l'as, il est chiant. Non, Balek. Thomas! Mais on a quel âge dans le truc, là? Non, parce que, attends. Entre lui, qui fait une bonne quarantaine, lui, une bonne trente-cinquaine, lui, qui fait 25, et lui, qui fait 17, je... On se positionne comment, c'est-à-dire? C'est... Quel est le milieu, là? C'est le frère d'Iris. Oui, je me rappelle qu'il était dans le truc. On est adulte dans une entreprise. Ok. Non, mais là, tu lui presses le nez, il y a le lait de sa mère qui sort encore. Bélier, oh... Il aime sa moto, dormir, les sciences, le hachis parmentier de sa mère. Mais je t'ai dit! Je t'ai dit! Je t'ai dit, tu presses le nez, il y a le lait qui sort, évidemment! Le hachis parmentier de sa mère, au secours! Oh mon Dieu! C'est un esprit vif, voire acéré, qui souffle le chaud et le froid en permanence, au gré de sa réflexion du moment, il réfléchit vite et beaucoup. C'est un ado! Extrêmement intelligent, il s'intéresse à tout, sauf peut-être aux relations humaines. Mais c'est un péteux! Mais c'est évident! C'est évident! Oh là là! Et en dernier, Amanda. Elle a l'air hyper chiante. Elle a l'air très pince-cul. Tu vois? Taureau. Oh là là. Oui, bah ouais. Elle aime la danse, collectionner les lapins et son confort. Les lapins. Les faux, j'espère. Tu vois, c'est... Elle aime pas le soda, les situations imprévues et la bourse. Genre les actions en bourse? Ok. Elle est très très chiante. Amanda Dalavienne est riche et énergique, avec un caractère bien affirmé qui n'aime rien tant que mener avec brio ses dossiers d'événementiel. Rien ne va. Déjà, si tu précises qu'elle est riche,
Ça veut dire déjà, elle est péteuse. Si l'on sait passer outre une première impression parfois déplaisante, on peut découvrir une jeune femme sensible et attachante qui se cherche parfois encore. Oh, super. Elle a besoin d'une psy, au secours. Non, mais voilà, moi je choisis elle. La sucrète est aussi riche. Merveilleux, merveilleux. Non, non, mais moi je vais jouer le peuple. Hein. Moi je prends elle, voilà. Je m'en bats les couilles. Le reste, ça s'en va. Je veux elle. Tu sais, Violette d'amour, bah voilà, c'est ça, c'est elle. Elenda. Elenda, Elenda, Elenda. Non mais vraiment. À la limite, Archibald. Et eux, j'aime bien Loa et Archibald. Voilà, c'est... On veut celui qui t'intéresse le plus dans les crushs. Du coup, dans les... BDSM, on est d'accord, c'est pas une crush, hein. Ok. Alors, dans les crushs, il y a qui? Devon, Jason, Roy, Thomas, Amanda. Mais ils ont tous besoin d'un suivi psy. En vrai, là, ça va pas. Là, non. Là, oui, non, c'est vrai, Rimoucha. En gros, Devon, on est sur un profil Tinder où le gars, il précise qu'il joue au golf. Il poste une photo avec une chemise et une veste en velours côtelé. Tu vois ce que je veux dire? Il est genre célibataire à 35 ans et il est encore très, il est très insécure de pas être en couple alors que tous ses potes sont mariés et qu'il commence à avoir des enfants. Mais il a toujours privilégié la vie professionnelle, du coup il est riche. Mais il a aucune expérience en vie sentimentale, il a jamais fait de concession avec une relation. Ça veut dire que tu commences avec un gars comme ça, t'en as pour des années à le former. Le gars il est pas formé, il a pas eu de meuf avant. Il a pas eu de meuf avant. Il y a trop de travail là. Et s'il a eu une meuf, elle s'est barrée, c'est pas pour rien. Non, trop tard. En fait, au bout d'un moment, c'est trop tard pour former. C'est trop tard. Non, c'est mort, flemme. Jason. Alors, à la limite, avec elle. Jason en plan cul, si tu veux te faire fouetter un coup, mais tu peux pas espérer une relation épanouie avec un mec qui a cette gueule. C'est pas possible. En centre d'intérêt, les chiffres, la compétition, les costumes de marque. Allô, genre... Les chiffres, la compétition, les costumes de marque. Tu veux vraiment établir une relation avec ça? Non mais c'est... Pour baiser, oui, à la limite, voilà, si t'as envie d'un truc un peu brutal. Bah, ok, mais tu donnes pas... Tu donnes même pas ton numéro pour qu'il te rappelle. Même pas. C'est un psychopathe. Ça se voit, il transpire le psychopathe. Tu vois, là, il sue, là. Ah non, 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 non. Regarde la tête, le regard, là. Non, guys. Vraiment. Sûr de lui et de son charme, il déborde une confiance qui confirme à l'arrogance. Problème maternel. Il n'a pas été rassuré dans son enfance, il compense avec un excès d'ego. Classique. Classique, c'est non. C'est un non. Oui, mais il est beau, mais pour baiser, mais c'est tout. Mais Roy, c'est le moins pire. En vrai, je pense que c'est le moins pire, mais sans intérêt. Il va t'intéresser parce qu'il s'intéresse pas aux meufs. Donc du coup, tu vas te dire, ok, il y a un challenge parce qu'il a personne dans sa vie, alors qu'il est beau, il a tout pour lui. Et en fait, une fois que tu l'as, tu te rends compte que s'il a pas de meuf, c'est parce qu'il est boring. Et du coup, tu vas te faire chier. Et tu vas t'intéresser plutôt pour taper celui-là parce qu'il est sexy. Voilà. Aucun autre intérêt, sinon. Voilà. Thomas. C'est un gamin. Centre d'intérêt, le hachis parmentier de sa mère. À partir du moment où tu mets sur ta bio Tinder que t'aimes le hachis parmentier de ta mère, rien à dire, ça dégage. C'est next. Et Amanda, clairement complexe d'infériorité, gros trouble de personnalité, genre en mode qui a besoin d'être agressive pour se sentir exister. C'est un next aussi, hein. Voilà, voilà. Donc, je réitère, je prends elle. Et non, bah, s'il faut en choisir un, en vrai, il faut voir comment il parle. Il faut voir comment il parle. Le choix de la sécurité, c'est lui. Mais pas d'intérêt. Et sinon, bah, le challenge serait là. Mais flemme de m'intéresser à un gars qui va me faire souffrir, en fait. Après, Devon, ça peut être intéressant. Mais si c'est pour discuter de la prochaine Rolex que tu vas avoir à son anniversaire... Puis clairement, c'est un gars, il est trop... Non, trop de tocage. Faut voir son passif avec ses meufs, en fait, lui. Faut voir le dossier. Mais... Thibaut, elle les a tous cernés en une minute. Ouais, non, franchement, moi, c'est elle. Hein. Y a pas... C'est la seule... Qui... Si vous remarquez, ils ont tous des soucis de comportement. Elle en a pas. Elle en a pas. Et Linda. Et Archibald en pote. Et Loa en meilleur pote. Voilà. Après, là, c'est le profil Tinder rapide. Tu vois, je leur ai pas parlé encore, comme j'ai pas joué au jeu. Hein.
Peut-être en parlant, c'est différent, mais... Ils veulent du drama, donc le seul personnage sans problème, on peut pas la pécho. Mais on joue quelqu'un de riche, je savais pas ça. Ah bon. En tout cas, c'était très intéressant. Ça m'a fait découvrir les persos. Bon, ça m'a pas forcément donné envie, mais... tu les as bien cernés. Les années d'expérience, que veux-tu, hein. Merci du coup beaucoup pour le courrier. Justine, t'as pas mis ton pseudo, hein? Non, juste Justine. Merci beaucoup, comme tu vois, ça m'a passionnée. J'étais à fond dedans. Pause pipi et colis. Ils sont tous un peu riches. Oui, bah oui, je vois ça. Ça va faire comme les livres là, tu sais, qui fantasment sur des médecins pères de famille blindés de pognon là. Je reviens, petite pause pipi, et on enchaîne avec la suite. Soyez sages en mon absence. Waouh, que d'emojis. Vous êtes en forme. C'est un chat bien rempli, hein. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, Imoucha. Alors, il nous reste 1, 2, 3, 3 colis, 2 lettres. Et eh ben un petit colis, petit ou grand? Allez, on va prendre. Si je prends le petit, l'autre était petit. Vaut mieux que je prenne un grand. Vaut mieux que je prenne un grand. En plus, lui, il était un peu ouvert quand je l'ai récupéré. Hop. Bonsoir, Lohan! Quel enthousiasme! Ah, là. Oh, il va être très grand celui-là, je sens. Attends. Je vais dézoomer. Ça, moi, j'avais oublié, moi. Qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de paquets. Thème numéro 1, thème numéro 2. Alors attends, ça je pense que ce sont des jeux. Il y a plein d'enveloppes. Alors les trouilles menus. Il y a plein de thèmes. On va voir. Hop. Il y a marqué quoi? 8. Ah, il y a un numéro. Ah, ok, il y a des numéros dessus. C'est ton colis. Ah, Suzy! Il y a plein de trucs! Alors du coup, il était un peu ouvert, Suzy, mais je pense pas qu'il manque quelque chose. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui a essayé de voler. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de scotch sur le bas, ici. Et en gros, ça, du coup, c'était un peu ouvert, genre comme ça. Ça a pas tenu. Tu vois, la colle de base du carton a pas tenu. Mais je pense qu'il est arrivé indemne, en tout cas. Hein. Alors, voyons voir. Déjà, il y a une petite quantité de cadeaux. Alors attends, on va essayer de ranger. 4, 2, 9. Ou alors je verrai après peut-être. Attends. Numéro 1, 3, 10, 8. Il est beau, putain. Les emballages. 7. 7, 8, 9 dans un panier. 9, 6. 5. Ok. Que je fasse un petit peu dans l'ordre. 5, 3, 2. Bon, le 9 est tout petit, donc il va aller là. 10 ici. 4, 1. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Voyons voir un petit peu. Il y a plein de choses. Donc déjà, les trouilles et menus, peut-être qu'on y comprendra un petit peu plus ce qui se passe. Ah bah, ça fait plaisir de te voir, Loan. Par contre, la lettre était fort scotchée. Hein. J'ai du scotch partout. Faut que j'arrive à passer. Je fais une petite incision délicate comme dans Dr House. Alors.
C'est bon, j'ai rien oublié. Pour être sûr qu'elle s'ouvre pas. Ah bah là. Hop. Menu. D'accord. Les trouilles. Cher Thibou, c'est de nouveau moi, Susanna Laura. J'ai toujours 27 ans et je te réécris aujourd'hui pour te proposer de nouveaux jeux ainsi que des cadeaux. J'espère qu'ils te plairont, j'y ai mis tout mon cœur. Mais je n'en doute pas une seconde. Le premier jeu, c'est un quiz en 4 thèmes. Le premier thème improbable, 5 questions. Le deuxième thème mature, 5 questions. On va avoir des questions de cul, on va voir flou. Hein. Troisième thème, plaisir, 5 questions. Quatrième thème, scolaire, 5 questions. Le deuxième jeu, Kiss Marie Kill, spécial catcheuse. Je t'avais déjà envoyé celui avec les catcheurs. Je te laisse maintenant ouvrir tes cadeaux. Gros bisous, Susanna Laura. Il n'est pas si petit ce colis. Ah non, là j'ai pris un gros. Alors du coup, on va faire d'abord les questions. Hop. Et je pense pas qu'il manque quelque chose du coup. Hein. Ah, ça manque un petit. Ça va parce qu'il n'y a pas trop de questions. Il y en a 5 par thème. Donc on s'en sort. Hop. Je vais mettre ça là-dedans. Le carton va me servir de poubelle pour les papiers. Et ça, je suppose que c'est les réponses. Lenka. Alors, question 1. Du coup, le premier thème, c'est improbable. Est-ce que vous êtes prêts pour les 5 questions improbables ? Le catch, c'est pour le Kiss Marie Kill. Hein. D'abord, on a les questions. Alors, question 1. Cite un des deux autres larrons qui, comme Molière, voit son nom utilisé comme élément de langage pour évoquer la langue française. J'ai pas... C'est bien larron ? Cite un des deux autres larrons qui, comme Molière, voit son nom utilisé comme élément de langage pour évoquer la langue française. Baron ? Non, je pense pas que c'est Baron. Prénom peut-être ? Mais non ? Attends, on est d'accord ? Paron ? Oui, c'est larron, c'est ça. Shakespeare ? On va voir, hein. Bon, je vais regarder la réponse directe parce que là, on va pas vivre dans le suspense, hein. Alors, attends, faut que je trouve le papier numéro 1, évidemment. Je l'ai. Victor Hugo ou Voltaire ? J'ai pas compris la question, en fait. Cite un des deux autres larrons qui, comme Molière, voit son nom utilisé comme élément de langage. Pour évoquer la langue française. Ah, genre... La langue de Molière ? Mais on dit pas la langue de Voltaire ? Ni la langue de Victor Hugo, si ? La langue de Voltaire ou Hugo pour parler du français. Ah ! Ah, d'accord ! C'est ça, du coup ? La langue de Voltaire... Oui, c'est vrai, la langue de Voltaire, ouais. Aurélie, moi, je vois carpe en ligne, mais je sais pas si elle est là encore. La langue de Voltaire, ça me dit un truc. Oui, c'est ça. Ah bah, écoute, on a appris un truc. Je savais pas que ça se disait non plus la langue de Hugo. Stylé. Effectivement, c'est des questions improbables. J'aime bien. Numéro 2. Quel auteur de bande dessinée a créé le Marsupilami en 1952 ? Est-ce que vous savez ça ? Moi, je sais pas. J'ai pas son nom à lui. Ah oui, donc elle est pas trop là, Aurélie. Bah c'est Franquin. Je sens que le score sur 5 va pas être fameux pour la communauté, hein. Je pense que là... Allez, on se rattrape, on se concentre, les choux. Allez, il reste 3 questions pour les improbables. Quel légume contient le taux le plus élevé entre les haricots blancs, les épinards, les lentilles et les salsifis ? Le taux le plus élevé de quoi ? Ah oui, parce qu'en plus, si on n'a pas la question complète... Ah, fer, oui, peut-être. Lentilles. Les lentilles avec 8 mg pour 100 g. Bravo.
Un point pour les commus. Un point pour les choupes. Ça vaut un petit bruitage. Mérité. Question 4. Quand une Québécoise a de la broue dans le toupet, que lui arrive-t-il? J'ai une image en tête, j'espère que c'est pas ça. Parce que... 1,5 parce qu'on a deviné la question. C'est vrai, c'est vrai. Si on a des Québécois dans la team, c'est le moment. Hein. Je suis Québécoise et je sais pas. Ah bah ça c'est embêtant. Salut Anaïs. Le toupet c'est les cheveux. Ouais, je... Attends, numéro 4, du coup, la réponse, c'est... Elle est débordée. Voilà. Ah, j'ai de la broue dans le toupet aujourd'hui. C'est mignon. Mais on apprend des choses, hein. Numéro 5. Et dernière question. Épelle le nom des habitants du Tadjikistan. Enfin, épelez, écrivez-le, quoi. Est-ce que quelqu'un va l'avoir? C'est vraiment des questions bâtardes. Les tachines. Non, c'est presque... c'est court. C'est court. Vous avez les mêmes vannes. Des bouts. Bah du coup, oui, c'est... Tach... Non, non, plus long quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends, 1, 2, 3, 4... Il y a 8 lettres. Non mais 1 sur 5 c'est bien. C'est les Tadjiks. T-A-D-J-I-K-E-S. Écoute, on a appris plein de choses là en 5 questions. Hein. C'était. Thème numéro 2. Question mature. À tout moment c'est des questions cul. Hein. Je sais pas ce que c'est question mature. Mais vous qui arrivez pour les questions cul. Ça serait beau quand même. Ce serait un peu le destin qui l'appelle. Je pense que c'est plutôt Aurélie qui a mis un message dans Modo Twitch en mode « il n'y a plus de Modo !» Mais écoute, Bébou, c'est le destin. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je trie les réponses. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors. Numéro 1. Quelle marque représente sur son logo un ours en filigrane blanc devant une montagne jaune? C'est pas une question de cul. Il y avait vu personne, on n'a pas eu de notif. Ah bah, c'est le destin vraiment alors. Toblerone. Ah, alors là, quand il s'agit de bouffe, mes enfants, là ça se réveille, hein. Attends, j'ai envie, j'ai faim maintenant. Toblerone, bravo! On peut jamais arrêter un choupe qui a faim, jamais! Numéro 2. J'ai faim. Est-ce que j'irai pas me chercher? Il est 18h quand même. De quelle nationalité est la marque de bière Almaza? Dénir. Almaza. Almaza. Je sais pas comment on prononce. Hein. A-L-M-A-Z-A quoi. Almaza. 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 Je sais pas. Peu importe l'intonation. Faites vos propositions. Personne là. C'est... Faut le chercher celui-là, hein. Je pense pas que vous l'aurez. Si vous savez pas... Wouh ! Anne ! Mais Anne est une spécialisée de la picole ! C'est libanais ! Bravo ! Bravo Anne ! Elle est des nôtres ! Elle a bu sa binouze comme les autres ! Bravo Anne, tu as sauvé l'équipe des choupes là. Hein. Numéro 3. Qui a inventé la formule « Je pense donc je suis » traduction du latin « Cogito ergo sum. Vous l'avez. Ah là, voilà. Ça parle. Ça picole pas, mais ça lit. René Descartes, bravo. Vous êtes très bon sur cette session mature. Hein. On est culturé. Avant-dernière question. Quel président français a remplacé la commémoration du 8 mai 45 par une journée de l'Europe? Je sais pas, Bébou. Bah, la bière, faut être majeur, je suppose. Chirac.
Hollande, Chirac. Pas du tout. J'adore parce que là, je suis persuadée, il y en a un ou deux, ils l'ont peut-être proposé en y croyant, et tous les autres, c'était en mode, allez, ça a l'air d'être ça, je vais faire genre, je sais. Non. Non, non, non. Giscard, c'est ça, Valérie Giscard d'Estaing, mesure par la suite modifiée de nouveau par François Mitterrand. C'était drôle. Vous avez... Maloxinia a sauvé. Au bout d'un moment, de toute façon, vous allez faire tous les présidents. Hein. Numéro 5. À quelle ville du Vaucluse est régulièrement associé le melon charentais, dont la variété la plus connue est le cantalou? Ah, on est vraiment sur des questions originales. Ah, bah vous me dites des trucs en plus, hein. Dans le Vaucluse, Sarloma. Attends, je l'ai vu, je crois. Attends. Rose Château, Cavaillon. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ce talent. Très très bonne session. La première session, vous avez été catastrophique. La seconde, vous avez été brillant. Hein. Alors là, non, mais faut reconnaître. Hein, numéro 3. Question plaisir. C'est peut-être du cul cette fois. Hein. Non mais j'y crois plus là. Si question mature, c'était Valérie Giscard d'Estaing. Mature et plaisir, c'est un signe. Ah voilà. Hop. La tête de la bouffe et de la binouse. Ah bah c'est ça. Exactement. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Question numéro 1. Qui est en réalité l'empereur Palpatine? Attention! Les fans de Star Wars? Mon petit Palpy? Oui, ah oui, du coup, ça spoil. Oui. Bah, la bonne réponse a été donnée. Voilà. Vous aurez oublié. Question 2. Quel est ce film français où un fils ne veut pas quitter le cocon familial? Oh, vous l'avez. Même moi, je l'ai alors que je l'ai pas vu. Hein. Ça date quand même beaucoup. Oui, Utopia, c'est ça. Tanguy, bien ouais. Palpatine, le nouveau crush. Non, il est trop moche. Mais il aurait été beau. L'attrait du pouvoir aurait pu me guider. Hein. Numéro 3. Quelle comptine est devenue le plus regardé sur YouTube en novembre 2020? J'en ai une qui me vient en tête. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Baby shark, baby shark, baby shark. C'est ça. Vous êtes bons en plaisir, hein. Numéro 4. Que devient en VF le film Gone with the Wind? Non, mais c'est truc pour les enfants, quoi, Utopia. Tout le monde l'a en tête maintenant. Oh, Gone with the Wind, vous avez quand même. Parti avec le vent. Mais vous l'avez pas? Putain, Bébou quand même! Heureusement qu'il y a Bébou! Quand même! Autant on emporte le vent, bien sûr! Parti avec le vent. Bah enfin! Mais quand même! Oh! Numéro 5. Quel est le vrai nom de Julien Clerc? Ah, vous êtes trop jeune. Julien Clerc, je connais parce que ma mère écoutait. Bah, elle écoute toujours. Enfin, moins, mais. T'inquiète, Absorbi, t'inquiète, il reste des trucs. Hein. Alexandre, Julien Son. Vous l'avez pas du tout. Hein, c'est catastrophe. En fait, quand vous savez, mais... Mais Anne? T'as même donné son autre prénom? C'est Paul... Moi, j'ai Paul-Alain Leclerc. Mais en fait, Anne, t'as 60 ans. Tu mens. Tu bois des binous en regardant Julien Clerc. Non, mais... Bravo, Anne, sauve l'honneur, hein. Il nous reste plus qu'un thème.
Et après, il y a le qui se marie qui, on est que quatre choses, on n'est pas rendu, hein, mais... quatrième thème, c'est scolaire. Mes élèves, ma préférence à moi. Ça, c'est Julien Clerc. Voilà. Est-ce que c'est des maths? Ah, bon, j'en sais rien, moi j'ai pas lu les questions. Hein. Moi non plus, Bébou, moi non plus. Mais tu sais, la créativité des choupes est sans limite. Tous les choupes vont aller écouter Julien Clerc, il va y avoir un record Spotify, ils vont pas comprendre. Alors, question 1. Quel chef de la Gestapo lyonnaise a arrêté Jean Moulin le 21 juin 1943? Ah oui, grosse poilade, hein. Je vais regarder la réponse, parce qu'à tout moment, vous allez me dire les bons trucs ou les mauvais, je sais pas. Ah, oui. Oui, Miracolas, Miralocas l'a eu. Klaus Barbie. Bon, là, il n'y a pas trop moyen de rigoler. Hein. Sinistre époque, Seigneur Dieu. Numéro 2. Quel était le prénom du maréchal Pétain, résistant de piètre qualité? Oui, oui, bon, on peut dire ça. Je n'étais pas prête. Pardon, ça m'a surprise. J'étais pas... Il a dit pont, tu vois, oui, c'est vrai que c'est Philippe. C'est scolaire ou histoire? Bah c'est les deux, hein, écoute, on fait de l'histoire au collège après tout, hein. Numéro 3. Quelle était la capitale de la Hongrie en 1986? Ne me demandez pas comment elle a eu cette idée, c'est pas moi qui fais le courrier, hein. Capitale de la Hongrie en 86. Buda. Sarajevo. Ah, il y a des tentatives, je regarde donc la réponse. Ah, t'étais pas loin, il manque une syllabe, Rose. Budapest, oui! Bravo, Rose a sauvé la team grâce à ses connaissances en géographie. Numéro 4. J'ai un peu peur des questions, en vrai, parce qu'à tout moment, qui a écrit Roméo et Juliette? Oh, bah alors là. Pourquoi elle était? C'est toujours le cas normalement. Je pense qu'elle a voulu mettre un piège. Elle a voulu mettre un piège en mode tu vois. Voilà, oui, mais ça, si vous l'aviez pas, celle-là, je vous répudiais, hein. Comme de vulgaires courtisanes. Shakespeare. C'est bien. Ça, c'est mes choupes, ça. Dernière question. Quel livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry a été vendu à plus de 145 millions d'exemplaires? Si vous l'avez pas, je vous répudie aussi. Très rapide. I like it, Le Petit Prince. Je savais pas que c'était lui, mais ça aurait pas été lui, ça m'aurait quand même fort étonné. Hein. On a réussi à boucler les questions. We did it! Kiss, Mary Kill. Je vais me chercher un carré de chocolat. Je reviens. Je me mets pas à l'encart de pause, hein, parce que je fais vraiment un aller-retour. Mais j'ai envie de chocolat, là. Moi, il me faut de l'énergie, hein. Mine de rien. Ça cause, hein. J'en veux aussi, tiens. De bas synchro. C'est fort intéressant, ouais. On a le temps de tout voler, là. Ah, mais comme moi, Anne. Ah bah. En fait, Yuri Chan, je me suis dit pareil. Mais je mange pas dans une heure. Enfin, si, quoique. Oh mon dieu.
Kim y rentre vers 19h30. Donc là, j'aurais pas tenu jusque-là, quoi. Oui, il est. Oui. Il y en a. Il y a un léger abus. Mais je crois qu'il n'y a pas de photos par contre. J'espère qu'il y a des photos parce que sinon. Ah si, il y en a. Ok, tout va bien. C'est toutes les meufs du catch. Kiss Mary Kill spécial catcheuse. On va... En vrai, ça va vite. Je zoome. On va me perdre là. Ouais, ouais, bah ouais. Hop, 1, 2, 3. En vrai, ça va aller vite. Comme je les connais pas, je vais faire à la gueule, hein. Hop. Là, j'ai plein de trucs. Alors. Réa Ripley. Ouais, on va... En vrai, c'est... Il y a peut-être un peu beaucoup de trucs, quand même, Susanna. Hein. Caitlyn. Oh, je la connais, elle. Je l'avais connue au moment où je regardais. Et Valhalla. Bah, j'épouse Caitlyn, je kisse Valhalla et je tue Réa Ripley. Ah, merde. La... Désolée, Elenga. J'ai donc enterré ta bisexualité. Mais les photos sont... Attends, je vais zoomer encore. Natalia. Oh, mais je la connais aussi. Et alors, où j'ai du bol, où il n'y a pas tant de meufs que ça. C'est possible. Stéphanie McMahon. Mais elle aussi... Je... Ah oui, c'était la meuf. Oh là là, elle était insupportable, elle. Et... Charlotte. Oh, elle a l'air gentille. Je vais épouser Charlotte, je bécote Natalia et je tue Stéphanie McMahon. Oui, d'un bébé boule, laisse-moi être positive. Oh, c'est mignon, Anne. Nikki Bella. Oh là là, mais il y en a 36 000. Tu m'aimes pas, en fait, Susanna. Carmela. Kairi Sane. Elle aussi, je l'ai déjà vue, je crois. J'épouse Kairi, je bécote Nikki, je tue Carmela. Oui, c'est vrai, Rimoucha, c'est vrai. Ça va, vous, sinon? J'ai très hâte de voir tous ces petits cadeaux. Hein. Kairi, je l'aime beaucoup. Bailey, Bailey, comme le whisky. Je crois que c'est du whisky. Becky Lynch. Ça me dit quelque chose aussi, ça. Le catch est un grand monde. Hein. Imhotep. Naomi. Je vais épouser Becky Lynch. Qui c'est Naomi et qui l'est Bailey? J'aime les trois. Bah. Moi, du coup, je fais au pif. Hein. Quand les tranches me dit un truc, je favorise, j'avoue. Michelle McCool. Bah, il est... Ah, désolé. Il y a quand même quelques fans de catch, hein. Mais tu sais que je voulais reprendre les visionnages, mais j'ai pas AB1 sur Katana Chance. J'ai pas AB1 sur ma télé, en fait. Je suis trop le seum. Et Nikki James. Je vais épouser Nikki James, bécoter Katana Chance et tuer Michelle McCool. C'est en replay sur Canal. Ah ouais? C'est le catch, Adsorbi. Mais j'ai pas vu, tu te vois où? Je regarde là-bas. Mais comment tu tombes dessus? Et c'est en replay combien de temps? Parce que j'ai regardé la dernière fois. Hein. Bianca Belair. Pense à Bianca Del Rio. Tu tapes catch et tu trouves. Ok. Oui, c'est possible, Anne. Oui, oui, oui. Après, attends un peu avant de l'envoyer, peut-être, dans ce cas. En 2025, ce sera sur Netflix. Sérieux? Pendant 3-4 semaines après le show. Ah, oh, mais c'est ouf. Lacey Evans. Ah, ça va me repartir en catch, hein. Et Trish Stratus. Si, elle me dit quelque chose. Bah, je vais épouser Lacey Evans. Qui c'est Bianca Belair? Et qui est Trish Stratus? Je sais pas qui c'est. Le catch a été acheté par Netflix.
Mais avec nos commentateurs français? Parce que j'aime trop les commentateurs français, ils sont incroyables. Indie Hartwell. Mais en fait, Bébou, je voulais grave revoir il y a quelques semaines. Et j'avais checké partout. J'avais même connecté la télé sur enfin, la box de télé sur ma télé pour avoir la chaîne. Et on l'a pas. Candice LeRae. Et Zoé Stark. J'épouse Zoé, je boycotte Indy et je kill Candice. Pour les commentateurs français, c'est AB1. Oui, mais du coup, il n'y a pas la rediff. Sur Netflix, pour l'instant, c'est que aux États-Unis, on sait rien pour la France. Ah, ok. Mais les rediffs sur Canal, c'est avec les commentateurs français. Parce que moi, regarder sans eux, c'est moins cool, hein. Chelsea Green. Karma. Oui, Philippe Chéreux, Christophe Aju, je les aime tellement. Et Maryse. J'épouse Chelsea Green. Ouais, Karma, j'ai l'impression vraiment, elle va me frapper. Je vais bécoter Maryse et killer Karma pour sauver ma vie. Hein. Tu es rire. Oui, pardon, Froggini, pardon. Mais je fais au pif comme je connais pas. Ah, Samo, je suis contente. Je suis sûre que tu vas adorer. Sonia Deville. Ah, mais le catch, vraiment, c'est une télé-réalité avec du sport. C'est incroyable le catch, vraiment, c'est génial. Avec les commentateurs français, c'est iconique. Ils sont incroyables, nos commentateurs. Piper Niven. Par-dessus la troisième corde. Bess Phoenix. J'en connais aucune, là, pour le coup. Je vais épouser Sonia. Bécoter Bess Phoenix et tuer Piper Niven. Attends, mais je vais regarder si là je l'ai sur Canal. Parce que j'ai l'appli. Donc là, en gros, si je tape catch dans la barre de recherche, je tombe dessus. Ça fait longtemps que je me suis pas connectée. Oh, il y a Napoléon. Bon courage. Catch. Non, j'ai. Ah, attends. Non, faut que je m'abonne. Ah, mais je dois pas avoir le même. J'ai l'abonnement Canal de base. J'ai pas l'abonnement Canal avec les chaînes. C'est ça que j'avais regardé la dernière fois en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait AB1 dispo sur Canal, mais il faut payer la chaîne. Souscription non disponible dans l'application. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai pas. C'est ça que j'avais vu. Et je pensais que je l'avais sur ma télé, du coup, AB1, mais même pas. J'ai AB1 sans rien payer, moi. Mais ça dépend de ta box internet. Ouais, j'ai vu, Christéliane. Alicia Fox, du coup. Bonjour, Nelis. Shotzi. Après, AB, c'est 2 euros par mois. Ouais, enfin, tu sais, j'ai déjà Crunchy Crunchy, c'est 5 balles. Ivo Sky. Je vais épouser Ivo, elle est très mignonne. Bécoter Alicia et je kill Shotzi. Ça va, et toi, Nenlis? On approche. On a battu la moitié, je pense. Lita. Ah, ça me fait chier, j'aimerais trop reprendre. Sasha Banks. Crunchyroll, Amel. Et Ivy Neal. Je vais épouser Lita, bécoter Ivy Neal et killer Sasha Banks. Après, il y a des sites frauduleux. Ouais, mais j'aime bien regarder sur ma télé, tranquille. Parce que ouais, sur la Freebox, on n'a pas AB1. Hein. Ça coûte très cher de payer Canal. Mais j'ai déjà Canal. Mais en fait, j'ai Canal le pass de base. J'ai pas le Canal plus avec tous les trucs. Maxime Dupri. C'est un peu ça, ça vaut, ouais. Kelly Kelly. C'est pas fou, elle a deux fois le même prénom. Et Ronda Rousey. J'épouse Kelly Kelly, je bécote Maxime Dupri et je kill Ronda Rousey.
Ça en fait du monde, hein. Dana Brooke. Ça dépend de ce que tu regardes, Amel, en fait. Et ça dépend de ton âge aussi, parce que les moins de 27 ans, ils ont un très bon pack, Canal. Mandy Rose. Et Zelina Vega. J'épouse Dana Brooke, je kiss Zelina Vega et je kill Mandy Rose. Même si elle est très mignonne. Oh, y'a bah là, avez-vous un gros échantillon. Hein. C'est plus qu'un échantillon, là, c'est tout le... 23 ans et un peu de tout. Bah, en fait, ils ont un pack Canal, je crois que c'est le pack Raw, ou je sais plus comment ils appellent ça, mais ça vaut grave le coup. Attends, Thibaut, tu dis avoir Free, mais Soria, Free et AB... Ah non, pardon, j'ai Orange. On voulait aller chez Free, mais on n'avait pas fait le changement. Peyton Ross. Oh, elle est très belle. Elle ressemble à Emma Stone. On a Orange. On n'a pas Free. Brie Bella. Et... Après, si tu me dis qu'ils ont AB1, qu'ils ont changé un truc ou quoi, je serais ravie. Hein. Et Dakota Kai. Oui, elle, regarde, Bébou. Tu trouves pas? Il y a un petit air, je trouve. Bah, j'épouse Peyton, du coup. En plus, elle a un prénom que j'aime bien. Je bécote Dakota et je kill Brie. Merci Frogini pour ton sub. On gagne un point en plus. On est à 95. Pa pa la pa 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 la pa 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 pa. Ouais ouais, grave Lenka. Et encore, ça fait des années que j'ai pas regardé. Hein. Mais j'ai trop envie de revoir, ça me manque. On a Alexa Bliss. Je suis sûre que t'aimerais. Ah, mais je suis sûre aussi. Ruby Riott. Et oui, Eclipsa. Et Michin. J'épouse Ruby Riott. Je bécote Alexa Bliss et je kill Michin. Elle est très sexe, elle. Et ouais, en fait, quand moi j'ai commencé à regarder, les meufs, elles commençaient à bien apparaître dans le catch. Mais c'était encore pas mal juste faire valoir. J'ai l'impression que ça a encore plus augmenté depuis. Bah oui, Amel, c'est ça. On aimerait... De toute façon, on aimerait bien changer de box. Tegan Nox. Parce qu'Orange, il se touche un petit peu. Hein. Xiali. Et Nia Jax. J'épouse Tegan Nox. Je bécote Xiali. Et je kill Nia Jax. Elle a mis combien en tout? Oh, j'ai pas compté, j'avoue. Lenka. 1, 2, 3. Il m'en reste... il me reste 3... Attends, je me chauffe un peu là, peut-être. Je crois que j'en ai une en trop. Ah non, 1, 2. Il doit y avoir... Je crois qu'il reste 3 trios, mais il y en a un qui doit être doublé, parce qu'il me manque une. Ah mince, Rimusha, le bot, il t'a strike. Lana. 60 en tout. Oh putain. Tamina. Ça se dit Naya. Ah, je savais pas. Et Ember Moon. J'épouse Ember Moon. Elle a l'air très sympa. Je bécote aucune des deux parce qu'elles ont l'air terrifiantes. Bah, Lana et je kill Tamina. Oh, c'est mignon, Anne. Allez, on approche du bout. On approche du bout. Raquel Rodriguez. Rodriguez. Courage. Ah, voilà. Azuka. Oh, elle a l'air stylée. Côté Joker, là. Tu kisses et tu cours. Ouais, c'est ça. Et Billie Kay. Et bah, franchement, je vais épouser Raquel Rodriguez parce qu'elle a l'air cool. Je bécote Azuka pour l'expérience et je kill Billie Kay. Ouais, il en reste pas mal, Bébou. Mais ça devrait peut-être le faire. Ah, je crois que j'ai eu le 60. Attends. Pour l'expérience. Nikki Cross. Elle me dit un truc aussi, elle. Ah, Azuka, elle a l'air ouf, hein. Shayna Baszler. Et Bifol. Bifab, pardon. Bifab, j'aime bien son style. Je l'épouse. Je bécote Nikki Cross et je cours après. Et je kill Shayna Baszler. Et il en reste deux, donc il en manque un.
Mais c'est pas très grave, hein. Ce sera un kiss et un mari ou un kiss kill. Maria Kanellis et Liv Morgan. Et bah, tu sais quoi, je fais un plan à 3. Sans problème. Ou un trouple. Voilà, les deux me vont très bien. Elles sont charmantes et elles ont l'air très sympas en plus. Donc, Et on l'a fait! Voilà! C'est un gros tas de. Alors. Thibaut, WWE SmackDown est diffusé sur la chaîne AB1, Canal Plus, Canal 46, Free, Canal 51, SFR, Canal 58, Bouygues, Canal 70 et Orange, Canal 72, tous les vendredis à 20h55 et commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreux une semaine après sa diffusion aux États-Unis, rediffusion le mercredi soir à 22h35. Ça veut dire que normalement je l'ai ? Tu peux me faire un screen, Bébou ? Pourquoi je l'ai pas ? Mais Raw, par contre, je l'ai pas. Parce que SmackDown, c'était moins bien que Raw, quand même. Moi, ça me met que SmackDown sur Canal+, ça me met non. Hein. Faut que je m'abonne. Mais c'est sur AB1, c'est pareil. Mais je peux peut-être l'avoir sur ma télé. Je suis assez dimanche chaque semaine. Au pire, je sais pas en fait comment ça marche pour s'abonner sur une chaîne, sur Canal. Si tu peux prendre une chaîne pour un mois et voir si ça te passe ou s'il faut que tu prennes un contrat d'un an, tu vois. AB1 ne fait pas partie de la TNT. Je crois pas. En tout cas, je l'ai pas sur ma télé. Bon, promène-toi bien, Crack Cups. Les cadeaux! Les cadeaux! Ah oui, mais bon, parce que t'as pas vu le colis en entier. Il y a beaucoup de choses. Les cadeaux. Faut que je remette le câble pour que ça charge ma batterie par contre. Hop. Du coup vous avez, voilà, il y a une petite barre mais ce colis est éternel. Alors du coup, les cadeaux. Numéro 1, qui est là. Attends, faut le temps qu'il capte qu'il est en train de charger mais qu'il est toujours là. Ça va. Pour garder ta page. Je suppose que c'est donc un marque-page. Les cadeaux. Oh, il est trop beau! Ah, j'étais absolument pas prête mentalement! Mais c'est une œuvre d'art! Non, mais attends, t'as déjà vu un marque-page aussi beau du monde? Non, mais jamais je l'utilise! Je vais l'encadrer! Comment elle est belle! Il est un peu corné. En même temps, c'est hyper fin, quoi. J'ai cherché. Regarde sur Orange, j'ai un lien, je te l'envoie sur Insta. J'ai cherché sur Orange, j'ai un lien. Putain, ça serait tellement. Et pourtant, j'ai regardé, c'est trop bizarre. C'est de la résine. Non, je pense pas. Je vais le remettre dans le plastique, ça protège pas grand chose, mais il est sublime! Alors je vais clairement pas l'utiliser, par contre je vais l'exposer, il est trop beau. Attends, je bois un peu moi. Ah. Ils inventent pareil, il y a des titres. Mais là il n'y a pas de marque. Il y a juste un code barre derrière, mais je sais pas la marque. Trop beau en tout cas. Si tu te remets à regarder ma Z, je vais toutes les semaines en TAP. Mais j'aimerais trop. J'aimerais trop. Numéro 2, création fait main. Le 2 est là. On va y aller doucement, hein. Création fait main veut dire délicatesse. C'est mon deuxième prénom. Ça a l'air de chez Emily. Oui, tout à fait, Maloxinia. Faut que je passe la voir d'ailleurs. On s'est DM il y a quelques jours. Hop. Création fait main. Oh! Oh, c'est trop beau! C'est la date de notre mariage, Hakim et moi. C'est adorable. Oh. Ah, tu sais quoi, je vais le mettre avec. Je vais le mettre là, tiens, avec mon petit truc de mariage. Trop choupi. Numéro 3.
Pour le Cux, fais main. Oula. Est-ce que... Merci Lizou. Lizou qui renouvelle son tiers 2. Merci énormément ma belle. Je rajoute tes 2 points immédiatement. Eh, on est presque à 100 points. On est presque à 100 points. Ouais, mais le Cux c'est pas là. En fait, je vais l'ouvrir. Et s'il vient, s'il rentre avant qu'on ait fini le stream, je l'appellerai. Ah bah avec plaisir, Rimoucha. Du coup, tu m'as envoyé... Attends, je suis à intrigue, parce que j'avais essayé de regarder. Mais c'est peut-être parce que j'avais essayé de regarder si je pouvais avoir AB1. J'avais pas tout essayé. Ils sont acceptés. Ça veut dire normalement je l'ai. Je comprends pas comment ça marche. Ah, Cinnamon Roll, je l'avais vu passer. Mais j'avais pas eu le temps de cliquer donc. Ouais, attends, j'ai plein. Ouah, j'ai plein de messages. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai montré ma bibliothèque, ça. Les gens font rire. Oh là là. Oh. Les commentaires sont vraiment trop mignons. Pardon, je prends le temps de lire parce que sinon ça va me stresser. Ah, Samo m'a envoyé une photo. Ouah, il s'est gavé de ouf. Je vais lui répondre. Il a fait le Dream Snap. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a fait 3 heures pour le faire. Si avec ça, il a pas 10 000 pierres de lune. Trop de messages, trop mignons. Pardon, je réponds. Mais sinon, je sais que ça va me stresser de laisser. Waouh, wow, 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 j'ai un gros pavé. Alors, celui-là, faut que je le garde en non-lu. Parce qu'elle demande une recommandation de livre. Je peux pas marquer en non-lu, mince. Attends, je vais lui dire coucou, je suis tombée sur ton message en stream et j'ai pas le temps de répondre là, lol, est-ce que tu peux me relancer demain matin, je verrai ce que je peux faire. Hop, je te réponds là, sinon je vais perdre ton DM dans la pile de DM. Voilà. Parce qu'après, j'ai plein de choses qui me disent bonne chance, etc. Et qui disent que ma bibli, elle est belle. Et qui aiment bien les longues vidéos. Ah, et Maloxinia, elle m'a envoyé la dédicace. Ah, trop bien. Tu pourras... Maloxinia, t'es encore là ou pas? Franchement, il y a eu tellement de personnes aimant le catch et toi qui arrives pas à voir après toutes les recherches Google, j'ai les mains qui tremblent, faut que je me calme. Oh, t'es trop mignonne. Est-ce que Maloxinia, tu pourras me renvoyer un message demain matin toi aussi? Parce que je vais clairement zapper. Je trie mes MP avec vous. Hein. Hop. Vous êtes trop mignons. Hop. Et c'est tout vu. Hop. 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 Tout ça pour voir le message de Rimoucha. C'était les MP Insta, Sarloma. J'en suis à mon huitième rappel. Tipou dans mon Google. Je me rappelle. Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. En fait, j'ai un belette, mais le belette, là, il est sous les cartons, donc compliqué. Donc ça, c'est pour le Cux. On était à la, de base. Hein. Tu préfères m'abonner sur Insta ou Discord, d'ailleurs? Bah Discord, j'ai pas... Toi, je t'ai... toi Discord, parce que je t'ai déjà. Mais pour les choupes, Insta, c'est plus pratique. Vive Cody Rhodes et CM Punk. Non, mais CM Punk était incroyable. Moi, c'est Sheamus qui était mon bébé. Hein. C'était Sheamus, mon amour. Il est encore là ou pas, d'ailleurs? Randy Orton, aussi Randy Chou. Oh, mais non! Oh, mais c'est incroyable!
Oh, j'ai hâte. J'espère qu'il va rentrer à temps pour pouvoir. Que je serai encore en stream pour le voir. Numéro 4. Sinon, bien sûr, je lui donnerai après. Hein. Numéro 4. Même que le 1 en fait main. Oh, un marque-page. Il n'aura plus d'excuses. Ah, voilà. Oui, parce qu'il ouvre ses trucs de bière avec des petites cuillères. Du coup, il me défonce mes petites cuillères. Voilà. J'ai cru que c'était du catch. Oh. Je vais aller checker après sur la télé. Mais pourtant, j'avais regardé. Ça m'étonne, hein. J'avais pas réussi à accéder à AB1 sur Orange Télé. C'est... Oh, très bonne idée, Keldoun. Oh, il est beau. Et il y a marqué Thibou. Oh, c'est adorable. Ça, moi, c'est trop mignon. Non, j'ai pas prévu d'y aller, Stéphanie. Trop chou. Trop, trop chou. Numéro 5. Pour ton poignet. Pour mon poignet. Oh, on est d'accord, c'est rare. Hein. Oh, oh, mais c'est trop bien. Bon, après, là, actuellement, pour mon poignet, j'ai ça. Mais disons que... Pouic, pouic. Et du coup, donc, toi, oui, toi, c'est plus discret, quoi. C'est... Il est plus petit aussi. En vrai, je pense Kim, il va potentiellement mieux le piquer. Hein. Il est trop doux. Oh, il est squishy. Est-ce qu'on peut faire anti-stress ou pas? Ou je vais l'abîmer si je fais ça? Parce que c'est très satisfaisant. Tiens, regarde. Et il revient. C'est très agréable. Non, je vais peut-être l'abîmer quand même. On va peut-être pas trop le faire. Il est adorable. Trop mignon. Pouic, 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 pouic. Trop chou. Oh, c'est trop mignon. Eh, tes cadeaux sont incroyables. Je suis pourri gâtée. Alors que c'est pas mon anniversaire encore. Numéro 6. Pour écrire ce que tu veux. Je pense que c'est un cahier. Je pense. J'ai une vague intuition. Oh la vache. Non mais alors les cahiers, les gars, vous m'offrez des cahiers, mais de bâtard. Waouh. Il est ouf. C'est bien ça, Rimoucha. Thibaut, t'as besoin d'un objet anti-stress. C'est pas que j'en ai besoin. C'est toujours rigolo. Oh là là. Il va rejoindre la longue liste de cahiers que j'utilise pas parce qu'ils sont beaucoup trop beaux. Oh, l'œuvre d'art, quoi. Tu vas jamais écrire dedans. Bah voilà, mais oui, il sait. He knows. Oh, oh, he knows. Il est magnifique. Il est magnifique. Je suis en amour. Non, tu me le piques pas. Non, je le donne pas. C'est mon cadeau. Il est trop beau. Il est magnifique. Je vais directement le mettre. Est-ce que je le mets maintenant? Non, je vais attendre. Parce que j'aime bien montrer à Kim les cadeaux quand il rentre. Il est beaucoup trop beau. Ah, grave, Lola. Numéro 7, pour écrire. Mon Dieu, ça sent la boîte. Ça a l'air incroyable. Ça sent... tu sais, la boîte où il y a les plumes dedans, là. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, j'ose pas l'ouvrir. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, c'est beau. Déjà rien que là, déjà là, c'est déjà là, rien que ça, c'est beau là. Waouh. Je vais dans l'autre sens. C'est... Oh la vache. C'est sublissime. Il y a même l'encre. Oh la vache. Tu sais que j'en ai une autre, hein. Que j'ai jamais osé utiliser aussi. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Mais oh là là. Et carrément le petit support. Ah bah tiens, Rimoucha. Les grands esprits se rencontrent. On veut que t'écrives avec ce... Ah ouais, non mais... Touche le fuseau, touche le, te dis-je. Le petit encre et tout. Coucou Iris. Ok, parfait pour ne pas écrire dans le cahier que tu ne vas pas toucher.
Non, mais je vais progresser, d'accord? Je travaille sur mes tocs et mes peurs de manquer. Je vais progresser. C'est incroyable. Je n'ai pas les mots, à part merci. Genre, vraiment, c'est ouf. C'est juste ouf. Numéro 8, miam miam. Ah! Oh, de la bouffe! Je vais éviter de trop le temps si c'est du chocolat. C'est incroyable, hein, Lola. Hein. T'as plein de cahiers pour progresser, c'est vrai. Si c'est du chocolat, je vais être obligée de goûter. Oh, c'est du chocolat! Oh là là! Ça alors! Bah, j'ai envie de dire. Non, mais là, il va être 19h. C'est pas l'heure de manger. Praliné en plus. Praliné. Praliné. C'est ma faiblesse. Alice, tu ne sais pas ce que j'ai reçu. Alice, à part déjà le chocolat. Alice, est-ce que t'es là, Alice? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es focus? Ah, t'as raté des trucs de ouf. Alice se fait bombarder. Mais elle répond pas! Ah, je continue en attendant qu'elle réponde. Numéro 9, une pensée pour des animaux disparus, fait main. J'ai faim. J'aurais faim toute ma vie. Grâce à vous. Alice, j'ai reçu des cadeaux de Fifou. J'ai eu une pub. Ah! Tu as loupé mon... Alice! Est-ce que je peux le sortir comme ça ou pas? Je sais pas ce que c'est, j'ai peur de l'abîmer. Je pense que je l'ai. Hmm. Oh. C'était mon chien et mon chat. C'est trop joli. Fait main, c'est incroyable. C'est toi qui as fait ça aussi? Mes petits bébés. Trop chaud. Et en dernier, nous avons création fait main. T'es hyper créative, hein, la vache. Je vais te remontrer, Alice. J'ai un moule exprès. Je vais te remontrer, Alice, les cadeaux. Les cadeaux! Oh, trop stylé! Ça fait un petit repose-bijou, je trouve. C'est donc pour ça le chocolat. C'est trop joli. T'es hyper doué, hein. Franchement. Alors, Alice, ce que tu as loupé à l'instant, un repose-poignet petit chat. Squeak, squeak. Et une plume. Genre. Voilà. Je sais que tu vas faire. Mon Dieu! Oui, je sais. Ah, ma prière t'arrive en même temps. Et. Ce cahier, absolument. Incroyable. Il te fixe. Je veux que tu m'écrives avec, oui, mon courrier. Oh, en vrai, ce serait trop cool! Même si j'aurais peur d'en foutre partout, mais bon. Il est trop beau. Du coup, en relief ou pas? Ouais, c'est en relief. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez un peu là. Ce carnet, c'est parce que t'es la femme de Xanen en fait. Mais c'est ça! Putain, j'ai même pas pensé, mais Alice, t'as tellement raison. Susanna, merci d'avoir deviné et compris que j'étais la femme de Xanen et que du coup, je méritais d'avoir un dragon. Ça me fait très plaisir que tu l'aies compris. Ça me touche. Du coup, ça va là. Susanna, ce courrier était absolument incroyable. Merci de tout cœur, c'était incroyable. Voilà, j'ai plus les mots. Alors, il nous reste 2 colis, 2 lettres. Et il est 19h. Je pensais refaire un stream courrier à la fin de la semaine. Donc, est-ce que je garderai pas ce qui reste pour la fin de la semaine? Non, je sais pas du tout, Samo.
Ça me semble smart, hein. Ouais, hein. Parce que dans les lettres, il y a celle-là qui est énorme. Vu ce qui a été teasé, n'est-ce pas, en me disant prenez un tonneau de verveine, ça va être long, voilà. Et tu peux ouvrir mon colis aujourd'hui n'étant pas là à la fin de la semaine. Et c'est lequel, Christéliane? Ah mais si j'ouvre le tien aujourd'hui... Bon, on peut faire celui Christéliane à la fin. On peut le faire celui de maintenant. C'est le ami-ami. Ouf. Parce que je vais repasser à la boîte postale d'ici la fin de la semaine. Donc je me dis ça complétera. C'était pas la fin de semaine. Je comprends que vous préfériez... ça vaut. Je comprends que vous préfériez être là. Hein. Il est lourd mais pas si long. Ok. Celui de Christéliane alors. Et on s'arrêtera après. Bonus 2. Lettre. Bonus 1. Bonus 3. Bonus 4. Des chocolats. Cadeau numéro 3. Cadeau numéro... Bonus 5. Cadeau numéro 2. Et cadeau numéro 1. Oui, il est pas si long, hein. Ça s'ouvre vite. Oui, oui, bien sûr. Attends, cadeau 1, cadeau 2, cadeau 3. Il y a plus de bonus que de cadeaux. Oui. 4, 3, 1. C'est quoi ça? Ah oui, bonus 1. Oh là, attends, je suis perdu. 3, 2, 1. Lettre 2. Ok, j'ai tous les bonus dans l'ordre. Il y a un stick-stick. Incroyable. Ouais, je m'en doutais, Yuri-chan, je m'en doutais. Et là, je prends ça pour un signe du destin. C'est des chocolats Jeff de Bruges. Ah, ça sent bon. Ouais, non, mais attends, moi je veux bien attendre de dîner, mais au bout d'un moment, si on met du chocolat sous le pif, j'appelle ça le destin. Hein. C'est vrai, ça le va. Mmh. Oh putain. Mmh. Ah oui, Nola. Regarde. Pour Kim, Alice. Mais en fait, Rimoucha, l'autre, faut ouvrir la tablette. Alors, j'ai déjà des tablettes entamées. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pas ouvert. Sinon, j'avoue... On va craquer. Il est pas encore rentré, Alice, je sais pas. Mmh. C'est ça, la limonie. J'ai plein de chocolat. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Alors, petite laitrouille. Ah, je reconnais la lettre. Ouah, Christéliane. Coucou Thibaut, j'espère que tu vas bien et les choupes aussi et que tu as passé de belles vacances. Oui. Je t'envoie un petit quelque chose pour ton challenge en espérant que ça te plaise toujours autant. L'an dernier, je t'avais envoyé des créations faites par mon entourage et je réitère aujourd'hui. Les bonus sont tous des créations faites par ma sœur, Tori Poulette. Tori-bas Poulette. Je profite de ce... En espérant que ça te plaise. Je profite de ce petit courrier pour te dire un grand merci pour m'avoir fait découvrir Hamilton. Je suis partie en Angleterre avec ma sœur début mai pour assister au concert de Baldur's Gate 3, qui était incroyable. Et ma sœur a pris des billets pour Hamilton ou Victoria Palace. C'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Les acteurs, l'ambiance, le lieu, les costumes, la mise en scène, tout était parfait. Sans oublier les musiques, bien sûr. J'avais peur d'être déçue vu que c'était pas le cast d'origine, mais j'ai encore plus adoré. Du coup, encore merci pour cette découverte, Christéliane. Oh, je suis trop contente que t'aies kiffé. Et pour ceux qui veulent découvrir Hamilton, il est disponible, pas gratos, mais sur Disney+. Foncez, la comédie musicale est incroyable. C'est quel tiret pour... Ah oui, c'est quel tiret? J'aurais dit 8, moi, mais... Tiret du 6 ou tiret du 8? Dis-nous, Christéliane. Alors, ouvrons donc cadeau numéro 1. Je sais pas où je vais mettre ça. Mon étagère de book haul est déjà full. C'est adorable. Regarde-moi ce papier cadeau sublime. Je vais mettre les chocolats de côté, sinon je vais te tenter.
Kim, il va me les déglinguer, mes chocolats, en fait. Cadeau numéro 1. J'aime bien les cadeaux. Full Metal Alchemist. Oh, c'est la suite de Full Metal Alchemist. Mon Dieu, je suis contente. Ah bah oui, parce que du coup, t'as pas encore vu l'update lecture. Christéliane, bah bien sûr, tu l'as pas vu, parce que je l'ai tourné tout à l'heure et qu'il sort jeudi. J'ai adoré les tomes 7 et 8. Adoré. Oh pardon, je t'ai donné un coup. Adoré, Christéliane. C'est incroyable, c'est ma fournisseuse officielle. Hein. Attends, Christéliane, attends, on est le 3. Toujours, ça n'a pas changé. Non, je n'ai pas changé. De Christéliane. De toute façon, mon book haul en manga n'a aucun sens pour le mois de mai. Hein. Parce que comme j'en ai acheté plein d'occasions, n'est-ce pas? Du coup, c'est méga bien de l'avoir ouvert. Demain, tu auras toujours lu. Non. Il faut que ça passe en book haul d'abord. Hein. On en est au même point. T'as pas écrit 2. Pas écrit 2 où? J'ai vu que tu étais à court, ça arrive au bon moment. Black Butler. Ouais, Black Butler. J'en ai acheté 8 ou 9, 10. Je sais plus. Beaucoup. Donc, voilà. Ah, j'ai écrit 2. Non, j'ai écrit 3, non? Ah non, mon 3 est très mal écrit. Enfin, la petite barre du milieu, on la voyait pas bien. J'ai bien écrit 3. Non, bien vu. 3 juin. Non, c'est bon. Merci, Bébou, pour le lien. Coucou, Laura. Hop. Ah oh là là, je suis à la moitié. C'est la moitié. C'est le 9e, c'est la moitié. Elle est flippante de ouf. Hein. Je n'en dis pas plus, mais je n'en pense pas moins. Hein. Cadeau numéro 2. Christéliane, est-ce que ce ne serait pas par hasard le tome suivant? Ah oui. J'aime bien lui. Avec ça, j'aurais officiellement dépassé la moitié. C'est une fierté. Le 3 juin 2024 de Christéliane. Elle est incroyable cette édition, je suis bien d'accord. Attends, du coup je note bien le 10 dans ma bibliothèque et le 11 passe en wish. Hop là. Oh, trop bien. Je suis contente de lire la suite. Vraiment, ce manga, il est ouf. Il est trop bien. Et ils sont moins lourds que les précédents. Ça dépend des fois, c'est fou. Hein. Oh, regarde, vous, c'est le rose là, il est trop beau. Je suis contente. Merci beaucoup, Christéliane. T'es trop mignonne. Hop, sur le chocolat. Non, peut-être pas sur le chocolat. Hop, sur le cahier. Voilà. Cadeau numéro 3. Ah, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même, regarde, c'est pas le même diamètre. Oui, le poids n'a aucun sens. T'as vu, on est d'accord. Hein. Attends, du coup, je pense que je peux virer le truc de chargement. Il reste 30%, là, on est monté de 10. Hop. Tu préfères Full Metal ou One Piece? C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'aurais pas dit. Alors. Là, comme ça me fait penser à Skip Beat. Mais parce que je viens de passer les tomes en update. Du coup, je vais lire la suite. Hein. Non, parce que j'avais pas été plus convaincue que ça. Alors, écoute, maintenant qu'il est là. Ah, écoute, c'est ça se lit. Non mais après c'est pas une catastrophe. C'est pas mon style de base, tu vois. Mais ça passe en pâle, hein. Ça passe en pâle, hein. Oh mon dieu. Alors le 3. En fait ce qui est ouf, c'est qu'avec ce truc là, vous pouvez me faire lire des sagas sans même que je le veuille vraiment, tu vois. Non mais vous le faites pas parce que vous êtes pas mazo. Mais là en soi, genre, je vais le lire. Tu vois? Mais en fait, c'est pas qu'il est pas ouf. Il est bien dans son genre.
Mais c'est pas ma came, en fait. C'est surtout ça, quoi. Oh, Maloxinia! Oh, enfin! Ne dis pas de bêtises! Merci beaucoup. C'est trop gentil. Ça me fait rire parce que vraiment, comme j'ai tourné l'update tout à l'heure, je crois que je dis ouais, j'irai pas acheter la suite quoi. Si je tombe dessus, genre en médiathèque, je le lirai, mais voilà. Voilà, bah, la suite est là. Le monde est tout piti-piti, hein. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons des bonus. Nous avons des bonus. Bonus numéro 1, qui vient donc de ta sister. Si j'ai bien retenu, donc je repartage. Ici. Tori Poulette. La médiathèque Aka Crystallian. Exactement. Exactement. Oh, mais ils sont magnifiques! Et c'est ta sœur qui a fait ça? Tu sais qu'en plus, j'avais plus beaucoup de. Alors, c'est pas post-it justement, mais de petits fascicules de papier comme ça à mettre pour les ventes vintage, genre. Parce que je vais pas utiliser une grande feuille, tu sais, en général, je vais juste merci pour ton achat, bonne lecture, machin, tu vois. Ils sont superbes. Oh la vache! T'as vraiment une famille artistique, hein? Rimoucha! Ça a l'air mignon. Bonus numéro 2. Attention. Oh là là, mes meufs. Ta sœur est beaucoup trop douée. Et c'est une broche. Alors, c'est pas un pin's, c'est une broche. J'adore le style. Il est magnifique. Waouh. Je suis impressionnée, hein, franchement. Numéro 3. Ah, ça sent les stick-sticks. Plein de stick-sticks. Oh mon dieu, ils sont trop beaux. Alors, j'ai gardé l'enveloppe pour le coup pour les mettre dedans. Petit renard. Ah, le chat du même genre que. Oh. C'est pour ça, Chloé, de Life is Strange. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous l'ayez de plus proche. Son style est superbe. Hein. Ah, c'est parce que ça parle de cul, hein, c'est ça, Nadouille. C'est magnifique, hein. Oh là là, celui-là, tellement cottage vibe. Adorable, c'est adorable. Oh, you are enough. Love yourself. Non, c'est trop mignon. Avec les constellations. Ah, et on l'a en stick-stick. Un champignon! C'est con que Carpe soit plus là. Ah, quoique, elle était là tout à l'heure. Carpe! Je crois qu'elle est encore là, mais elle est occupée à côté. Lève les yeux, Carpe, regarde! C'est une théière champignon! Adorable. Vraiment. Bonus numéro 4. J'ai été convoqué par la théière champignon. Exactement. Est-ce que c'est encore des stick-sticks? J'ai l'impression, hein. Mais c'est à toi. Mais c'est trop chou. Oh là 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 là. Oh, Lenka, ça va, si tu me pardonnes, je suis heureuse. C'est adorable. Oh, Méduse. En fait, elle est bonne dans tous les styles, c'est ouf. Oh, j'avoue que le côté cute.
Le côté cute, il marche très bien. Oh là là, mais regarde ça! Je fonds! Ah, Maloxinia, tu m'en demandes beaucoup. Oh, mais non, mais les chats, mais ils sont trop beaux. You're not alone. Oh, mais regarde! Mais je fonds. Oh là là! Mais j'en veux 12 000 pour les mettre dans tout. Dans tout. Dans tous les. Je vais les mettre sur mes lunettes. Comme ça. Je veux voir ça où que mon regard se pose, en fait. Ah, grave, Super Woloc. Mais sur la Bibli partout, mais oui. Mon petit chouchou. C'est adorable. C'est vraiment. Ouais, c'est ça, c'est très réconfortant, exactement. C'est une très bonne définition. Et il nous reste plus que le bonus numéro 5. Et ce sera fini. Ah mais j'ai pas de coque sur mon téléphone. Je suis une gueudin. Oh, Islam. Oh là là, on finit en beauté. Regardez-moi ça. Un porte-clés renard. Mon Dieu, mais il est incroyable. Je pense en plus il est assez costaud, hein. J'ose pas l'ouvrir. J'avoue que j'ose pas l'ouvrir. Allez, allez. Hop. Ouais, je pense qu'il tient. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur de casser les porte-clés comme ça. Mais là, regardez, il y a une sacrée épaisseur. Donc je pense que vraiment, il tient le truc. Hein. Je l'ai sur mes clés de voiture, il est assez costaud, je confirme. Il est magnifique. Je vais le remettre dedans. Protégé. Mais je vais peut-être le mettre sur mes clés en vrai. J'ai pas beaucoup. En plus, je crois pas que j'ai de porte-clés sur mes clés actuellement. J'en avais 36 000 sur mon ancien trousseau, mais sur le nouveau, j'en ai pas mis. Il est trop beau. On va aller voir son Insta. Alors. Hop. 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 Rimoucha, je sais plus si je t'ai. Tu pourras me. C'était Rimoucha qui m'avait envoyé le lien. Je vais y arriver. Du catch. Tu pourras me le renvoyer. Enfin, non, pas me le renvoyer, mais juste me renvoyer un message. Genre, je suis là. Comme ça, je te repérerai. Alors, attends. Tori. Oui, Duolingo, je t'oublie pas. Tori Poulette. Eh ben voilà, je l'ai. Parfait. Hop. Merci, Jirachan. Est-ce qu'un modo peut partager le lien dans le chat? Amel, pourquoi pas, oui. Et alors, vous voyez pas bien, parce que là, mon truc est très exposé. Voilà, la photo de profil, c'est une petite bouille à lunettes. Parce que là, ça fait tout blanc, donc on voit pas bien. Voilà, là, on voit bien. Et du coup, comme d'habitude, hein, plus d'amour, plus de likes, plus de commentaires. Et si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner. Vague de love. Oh, mais c'est trop mignon. Ah ouais, grave, Wolfie. C'est. Wow, mais il y a plein de styles, hein. J'adore ce qu'elle fait. Elle a un talent. Je suis choquée. Trop chou, quoi. C'est direct dans les abonnements. Ah, mais je comprends. Ah, bah, j'avais déjà liké. Comment ça se fait que j'avais déjà liké? Elle avait déjà fait un. Peut-être que t'avais déjà partagé à ce moment-là? T'étais même déjà abonné.
Ah bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, je peux pas m'abonner, c'est bizarre. Ah bah voilà, bah c'était déjà quelqu'un que je suivais en fait. Peut-être t'avais déjà parlé d'elle. En tout cas, c'était génial, hein. N'hésitez pas du coup à lui envoyer masse de love, de soutien, de tout. L'an dernier, je t'avais envoyé des créations. Ah mais c'était ça, c'était déjà ta sister alors. C'est ce qui me semblait. C'est ce qu'il me semblait. Hop. Alors du coup, mes enfants, ça va être une fin de stream. Et ma foi, on a bien bossé, hein. C'était dense. Alors donc du coup, il en reste un petit peu. Il reste un colis et deux lettres. Mais je ferai fin de semaine et je repasserai la boîte postale. Comme ça, si jamais il y a d'autres lettres, je grouperai. Et si jamais il n'y a pas, bah, ce sera un petit stream. Et ce sera pas plus mal de ne pas avoir un truc qui dure 4 heures. Je vais vous envoyer en raid. J'ai vu qu'il y avait des streams qui étaient organisés pour soutenir la Palestine avec tout ce qui se passe malheureusement en ce moment. Je vais donc vous envoyer en raid chez un des streamers qui bosse pour l'événement. Je vous partage également la cagnotte, je me la suis mise de côté pour faire un don de mon côté. Donc je vous partage le lien ici et je vous envoie... je vais vous envoyer... Bah, je pensais vous envoyer chez Ponce. Hop, je vous partage du coup le lien de la cagnotte. C'est pour Médecins du Monde et c'est une association qui est clean. Pour le coup, j'ai été donneuse chez eux très régulière pendant des années. J'avais arrêté il y a 2 ans, je crois, parce que je soutenais un peu trop d'assos et du coup, j'avais donné plutôt au Resto du Cœur. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Mais du coup, voilà, c'est une association qui est clean et ils font des bonnes choses. Et là, c'est une cause importante. Voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est quand même quelque chose de... d'inhumain, en fait, tout simplement. Personne ne devrait vivre des choses pareilles. Et l'initiative, du coup, des streamers est très bonne. Et pleine de bons sentiments, donc je partage avec tout mon soutien. Je vous envoie donc là-bas avec plein de poutous, et je vous prépare, alors attendez, je prépare le raid, j'en suis toujours un petit peu, attends, comment qu'on raid, voilà, hop, hop, hop. En plus, Ponce, c'est un streamer qui est vraiment très sympa, plein de bons sentiments et de bonnes valeurs, je pense que vous trouverez bien chez lui. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain matin pour le stream Carnet de Lecture. 1000 bisous, très bonne soirée à vous, je vous aime de tout mon cœur. Merci encore à tous, vous êtes merveilleux et installez-vous pour le raid. On monte dans le petit train, on monte dans le petit train, on s'installe. Et Merlin qui vient me faire un câlin, c'est pas le moment. Bisous tout plein, je vous aime très fort.